Merci Vilquin pour le 10e mois, merci beaucoup. Oui, c'est bon, je suis attendue. Fidèle, hein. Bonjour, les stars sont toujours en retard. Trop marrant, c'est la dernière fois que tu fais ça. Waouh! Il est très hostile. Et on aime ça, et on aime ça quand il est hostile JD1, hein, t'es hostile JD1. Coquin, on a envie de te mordre. J'arrive sur... Ok, pas de King Shaming. Merci Emira pour les 2 ans encore plus depuis que j'ai découvert tes lives à l'occasion de Superb Game de Mario Party pendant le confinement. Mais non, je suis pas très présente dans le chat car je suis une ratus timide, mais je passe toujours de très bons moments sur tes lives. Je n'ai jamais autant ri devant un stream qu'en voyant jouer à Amour Sucré. Merci à toi et ta communauté de ratus si bienveillante, la meilleure sans aucun doute. Merci beaucoup, merci pour les 2 ans. Un flangle, hein, sache-le. Non, c'est quand tu lances le game capture, il y a une fois sur deux où ça. Bah, où si jamais les viewers de Florence, ça grésille pas chez moi, si vous voulez voir le jeu qui grésille pas. Il a déjà 25 000 viewers là. C'est pas vrai. C'est pas 25 000, oh, ça fait beaucoup de gens quand même. Vous pour le coup, je sais pas, je suis un peu stressé. D'accord. Je suis un peu stressé. Moi, je télécharge la mise à jour de mon côté. C'est bon, elle s'allume ta Switch. Ah si. Riff. Ok, mais il ment. Moi, c'est bon, elle s'allume, ouais. C'est good, on est là. On est ensemble. Ouais, c'est bon, elle est on. Elle est complètement on pour le coup. Moi, la room est ouverte. Hein. Ouais, j'arrive. Ouais, je suis juste dedans. En fait. Un petit moment. Voilà. Top, top, top. Toutes les photos de ma bite. Oh, qui c'est qui a. C'est quoi, contexte? Qui a fait ça? Ah, ça y est. Ça vient de Le Alien avec Tomska. Oui. Mais qui a samplé ça? Probablement Rivenzy. Ah oui, il est trop fort, il est trop fort. C'est un vrai sample. Putain, il a toutes les photos de ma bite. Oh, je suis tombé sur cette vidéo l'autre jour, j'ai passé un excellent. Ah, vous aimez bien regarder des petites vidéos que j'ai fait dans le passé, ah, oui. Les ressortir pendant ce soir. Ouais. Ah, c'était obligé, j'étais obligé. Ah, moi, c'était... C'est... Peut-être que j'ai... Oh, quoi? Oh, t'étais super dans ce rôle quand tu jouais à un français. Oui, non, mais c'était bien. Franchement, elle est... Merci pour l'ensemble. Moi aussi, je l'aime bien, la combi. Elle est trop cool, genre... Trop confortable et tout. Trop bien. Bon, ça parle de quoi, là? Ouais, marinière, baguette de pain... Et ça a été tourné quand? Et de l'ail. En 2016, je crois. Ok, voilà, c'est de la fiction. C'est ça, c'est un sketch de 1 minute et demie. Est-ce que c'est vraiment de la fiction? Oh, je sais pas. Oh, c'est un mélodrame, hein, je dirais un mélodrame. Hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est de la fiction. Avec Tom Cray et Sammy Paul. Tout à fait. Non, mais j'ai passé un très bon moment parce que ce rôle de. Voilà, où je joue ce français, malmené, un peu mis en difficulté, je trouve que ça. Raconte pas tout. Mais c'est vrai, spoil pas non plus, quoi. Allez, regarde ce banger, on peut le dire, de 2016. Bien sûr. Est-ce que tu streamais déjà à ce moment-là ou non t'avais, là, pas du tout. Non, j'étais en full YouTube à ce moment-là. Ah, tu faisais encore des boîtes de 4 à ce moment-là? Le dernier était sorti, mais dans ma tête, j'étais en mode bah, je bosse sur le suivant. Ah, et okay. C'est toujours le cas, donc voilà, quoi. Ah, c'est une phase qui s'étend un petit peu, quoi. Ouais, c'est un peu long, hein. Ouais, non, je joue pas Birdo parce que maintenant, apparemment, Harmony, c'est vraiment la méta. La projet arrive. Ah, c'est arrivé. Non, mais c'est parce que Macron a sucré les aides aussi. Mais peut-être que je la testerai en vrai. Et c'est reparti, Florence, mais on peut pas t'en empêcher. Hop là. Ah, il se passe pas une seconde sans qu'elle ait envie de cracher sur Macron. Un courant de démission. C'est une haine viscérale. Déjà que t'as ruiné le The Event la dernière fois avec ça, maintenant tu veux ruiner le pont de la Switch avec ça encore, non? Merci Wolfgang pour sa gift. Florence et moi, on a ruiné les 2 derniers The Event. Franchement, on est vraiment les gros fans. Oh là là, putain, mais les casseuses d'ambiance, les grognasses finies, quoi. Oh, les grognasses. Dans le même groupe, quoi. Oh, les grognasses, quoi. Quelle bande d'aigris, franchement. Est-ce que la dernière personne qui n'a pas rejoint peut rejoindre? On n'est pas copines pour rien. Est-ce qu'on peut donc jouer? Putain, je vous en supplie, est-ce qu'on peut jouer? Il n'y a pas de join, je suis sûr que c'est Rivenzy. J'aurais... Je suis sûr que c'est Rivenzy aussi. C'est Rivenzy. Non mais ta gueule toi avec ta sonde de j'appelle l'Elysée parce que vous parlez encore mal de votre présidence, c'est insupportable. Mais tu vas pas encore appeler l'Elysée. Ta gueule, c'est bon, on a compris. Allez, retourne la game, merde. Trop tôt. Putain, c'est trop tôt. Il est même pas dans la room, retourne. Il est 20h29, on est dans le lobby. Allez, retourne te branler sur du Shushen là, vas-y, go jouer. Pardon? Excusez-moi. Par contre, je veux bien que tu me traites de collabo, de tout ce que tu veux, par contre, me branler sur du Shushen, sort de question. Non, mais celui-là, c'est la barre qu'il fallait pas dépasser, tu vois, à ce moment-là, c'est la ligne verte, la ligne rouge, en fait. La ligne verte, c'est pas ça, c'est un film. Donc tu ne me rabaisse pas à ma culture, qui selon toi, j'imagine, est une sous-culture, et toi, je ne t'ai jamais fait ressentir ta différence non plus, donc fais attention. C'est-à-dire... Donc c'est quoi ma différence, Rivadi? C'est-à-dire...
c'est le fait que je suis d'origine algérienne et ça te dérange? Je n'ai jamais dit ça. Ah oui, quoi? Non, mais ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas, n'est-ce pas? Merci Moon pour le 7ème mois. C'est lui qui a commencé à me parler de mon chouchen et j'ai trouvé ça hyper, hyper violent. Moi j'ai vu Rivenzi dans le privé, il m'a dit ça me dérange. Voilà, il non, mais d'accord. Dit, non mais d'accord. Obsession au bord du lac de Tenons les mains, effectivement. Ouais, nous en avons parlé. Ah, ça me dérange. Si tu veux que cette soirée je m'appelle pas Ryan et Edmond pour te faire plaisir, Victor, ce sera Victor. Victor. Pour récompenser. Merci Docteur Taliria, merci pour le 23ème mois. C'est parfait, allons-y, n'est-ce pas? Mais rejoins la room! Oui, mais viens, je t'en confirme, tu fous quoi? Oh là là, vous criez fort. Je suis en mouvement là. Je suis sûr, il a genre la. Ouais, grave, moi ça fait 3 jours que je suis en gueule de bois, donc doucement. Ah oui, c'est. T'as quelle belle soirée quand même. Un jour de gueule de bois, c'est ça. En fait. Quelle belle soirée. On peut lancer. Moi j'ai bu 3 pintes et j'étais par terre. Hein. Moi j'ai bu 2 pintes et demie et j'étais par terre aussi. Non mais moi j'ai bu coca et j'ai bu 2 bouteilles de bière, j'ai l'impression de m'être plongée dans un fût en fait, je comprends pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je perds l'habitude. Je sens de l'alcool depuis 3 jours. En fait. C'est l'âge. Vu que je suis rentrée vraiment de l'after de Speedon à 5h30 du matin, les yeux écarquillés dans le RER, tout le monde allait travailler, ils étaient tous propres, ils sentaient tous la marche de la honte. Ouais. C'était vraiment la marche de la honte. Ah, j'ai pas mis des IA ? Ouais. Oh là là C'est pas très gratuit. Ouais, merci Maïel pour le 29ème mois. Merci beaucoup. Vous en faites beaucoup. 1500 heures de stream sur le jeu. Ah, mais du coup, je pensais que ce serait plus. Un peu moins, je crois. Ah, je pensais que c'était ah, c'est beaucoup 1500 heures sur un jeu. Oui, ah ouais, c'est. J'imagine que la soirée Speedon était gérée par, par Poca. Ah, c'est non, trop bien. En plus, on va devoir remonter toute la liste là. Qui avait été privatisée. Ça, c'est pas très gratuit. Ah oh bah c'est pas moi, hein. c'est les dons, c'est les généreux donateurs bien sûr. C'est les dons qui ont privatisé la soirée. C'est les dons qui ont privatisé. Merci Orochizo pour le 34ème mois, merci beaucoup. Ah non bien sûr, on a privatisé le Georges V à côté des champs là. Bonsoir Jésus. Oh malaise. Voilà quoi. Bon, bah, mais c'est trop bizarre que tout le monde soit par terre avec juste 2 bières là, je comprends pas. Fait le vieillir et post-confinement plus fatigue machin. Ouais, on sort pas parce qu'on stream donc voilà. Ouais c'est ça. T'as dit quoi Ponce? Avec le week-end que vous avez passé c'est normal. À faire plein de trucs. On est tous très âgés, ouais, c'est ça. Certains plus que d'autres, quand même. Ah merde, il faut que je joue. Hein. Faut que tu cliques. Excusez-moi. Allez. Mon bro. Je pensais à ma vie. Clique mon bro. Oh, non. Et alors? Non, mais je regarde. Non, excusez-moi, salut, je regardais Nicolas, un match de League of Legends. Ah, mais oui, je pense qu'on m'avait proposé. T'as envie de passer ta soirée avec nous, Rayou? On t'a proposé un shooter? On m'a proposé un shooter avec du Jagger et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de dire non. Ah. Et le lendemain, je me suis bénie de fou, je me suis dit ça aurait fait une sacrée. Mais ouais, moi, c'est chiche juste du avant. Jagger en plus. Chiche, juste avant de partir, il est venu me voir, il m'a fait: tu revues une bière? J'ai fait. Qui c'est qui est parti? Non! T'as pas été chiche? Oh, je l'ai. Allez, en vrai, elle est très technique. Allez. Quoi? Pour recréer. Oh non, c'est pas vrai. Oh voilà, on fait une panne du DLC pour commencer. Ou sinon, bah on fait tous chacun de notre côté, comme ça on est sûr qu'il y aura pas de soucis. Let's go. J'ai fait un chant vocal pour chacun d'entre vous. Vous voulez pas qu'on fasse tous du contre-la-montre, genre? Ouais, voilà. Oh, ouais, le mais du coup, tu recrées le bon fun de la soirée. Et autant, on voit qui est le meilleur, quoi. On peut faire comme ça si vous voulez. C'est moi. Je peux rejoindre du coup? Bah oui. Non, je refais la room du coup. Il recrée la room à cause de toi, Antoine. Se ponce le lobby. C'est parce qu'il est toujours pas branché en Ethernet en fait. Attends quoi? Alors qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il faut acheter le truc. T'es toujours pas branché en Ethernet? Mais si, mais ça a rien à voir. Non, mais il a pas trop les moyens. Faut bien sub chez lui, hein, s'il vous plaît, c'est important. Ah si, ça y est, t'es branché en Ethernet maintenant? Non. Ah voilà. Et bah si ça a à voir. Oh c'est une honte. Ça joue un peu, en vrai ça joue un peu. Si ça a à voir, je jure que ça a à voir. Bah bien évidemment que ça a à voir. Bien évidemment que ça a à voir. Bien sûr. Mais ça a totalement à voir. Rien à voir. Branchez en Ethernet et on en reparle. Depuis que je suis en Ethernet, je n'ai jamais eu le moindre problème de online avec un service Nintendo de ma vie, tout simplement. Bah oui. Quel gros mytho. La bulle. Ça par contre dose. Enfin, dose, mets du glaçon dans ton verre. Je suis pas dépensier. C'est pas de... Non, mais d'accord, mais. Non, mais ça coûte 8,90€ sur Amazon, on va tous s'en remettre. Non, Antoine, il a déco. Il va déco, non, vous allez voir, vrai. Il va avoir erreur de communication. Moi, j'ai un veuillez patienter chelou là. On lui offrira pour son anniversaire. Non, chez moi, c'est vous qui êtes parti.
Ah ouais, 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 on est tous partis, on a tous quitté d'un coup pour te faire une blague, mec, en fait. On est tous partis en même temps. Moi, vous êtes revenus et là, ça lance. Ah, bah, alors peut-être. On fait les nouvelles maps dans l'ordre. Ouais. Virer à Amsterdam, on va à Dame ensemble. On va à Dame. Ah, voilà. Non, c'est pas vrai, Antoine. Merci. Oh, t'as un problème, il y a un problème. Mais c'est Ponce Lobby, là, on en peut plus. Super ton jeu, Ponce, ouais. Oh. Après, vous savez que sur Smash, si on fait une arène à 7, il n'y a pas de problème. Putain, hein. C'est pas vrai. Si, il y a des problèmes en vrai. Quoi, Rayou, il a pris Big Blue. Je rejoins. Qu'est-ce qu'il y a, Ultia? Tu peux venir, là, tu peux venir. T'as pris Big Blue? Maintenant, parce que c'est la meilleure map qui existe. Moi j'adore. Mais on veut tester une nouvelle map, mec, on va Adam, moi franchement j'adore. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi j'adore. Vous voulez parler à Adam? On va à Adam là. Je veux pas. Adam. On va à Adam. Mode spectateur, préparez-vous, je vous spectate pour la map. Ah, mais ouais, j'avoue. Ah, mais si t'étais là, Antoine, au Twitch. Au Twitch Rival, j'allais dire, on y était. Ah ouais. Ah si, j'étais à Amsterdam, mais j'étais au Smash Rivals. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait mes OP incroyables. Oui, qui s'était super bien passé. Ouais, c'était vraiment trop bien. Voilà. Je m'en rappelle. Ça a l'air de te marquer, en tout cas. Putain, mais t'es parti. Je l'ai tété, celle-là. Ah putain, j'ai déjà oublié le sens. On va passer en quartier rouge, elle se trouve, il faut s'en tuer. Si, si. Oliver! Oula! Oliver, qu'est-ce qu'il a fait? Antoine, voyez comme un débile, je peux pas arrêter, oula. Je suis en train de zoom! Oliver! Mais du coup, je découvre pas la map, putain! Si, si, tu la découvres, regarde! Regarde, maintenant, t'as des tours au quartier rouge avec. Attends, mais je l'ai tété en miroir! Allez, let's go! Let's go! J'ai la ref! Regarde mes lines, Antoine, genre, je suis clean as fuck! Oh non, j'ai pris le toi! Pas cool la rouge, mais tranquille! Ah, Chorina, je t'ai raté! Tiens, je t'ai raté, attends, c'est lui! Regarde, c'est le mec qui se prend un boomerang là. Non, mais c'est chien! Pas mal l'étoile, pile quand j'arrive sur face. Mais t'as 9000 heures! Mais putain, mais c'est pas là, normal! On découvre les maps, quoi. Je suis autour d'eux, je suis trop cool. On va dans l'eau à dames. Mais c'est énorme! Apparemment, on va au fond des canaux, mec. Non, mais je l'ai pas du tout tété ou quoi? Regarde JD ce que je lui mets. Oh non. Non, mais regarde, c'est pas clean? Ouais. Oh là là, le backspam nous débecte. Attends, le chat derrière toi. Ouais, attention à ça, par contre. Pas fun. Oh, le passage sous l'eau, il est dramatique. Oh, la banane était dramatique. C'est Venti ? Oui. C'est moi. C'est moi. Bah alors, JD ? J'ai envie de crever. On peut avoir une erreur de connexion, si vous voulez. Mais non, t'as quand ça ? Non, mais ça va. Comme ça, on refait. Attends, c'est bon sur Mario Tanuki comme ça là? Non, c'est juste Mario Tanuki. Ah, c'est Mario Tanuki. En fait, j'ai battu. Avec un bot, j'ai battu. What the fuck? Mais il était premier. Il est giga plus fort que tous les gens du lobby en vrai, donc. J'ai battu Franck. Ça va déjà. JD. De quoi? Ah, t'as battu Franck sur quelle map? Sur Riverside Park? Sur. Ouais. Je vais battre Antoine. Oh, je l'ai passé Antoine. Ah, mais super. Oh, bonne tâche, je me suis complètement trompé d'endroit. Tiens, non? Bien joué, Riv. Attention derrière, Riv. Ouais, oh, ah non, c'est bon, je finis devant Angle. Je découvre la map aussi, je suis moi aussi, j'ai pas joué, hein. Antoine, t'as fait 3ème. Je n'ai pas tété. Attends, mais Antoine t'as fait 3ème. T'as redéco, mec? Parce que non, je t'ai rassuré. Mais non, mais il était en spectacle. En Riverside Park, là. Non, ouais, mais t'as fait 3ème. Je crois qu'il est... L'honneur est sauf. Riverside. Devant Angle. Alors, chez moi, t'es pas dans la room, hein, Antoine. Riverside Park. On est reparti. Oh non, Antoine a full lagué. Oh non. Mais c'est fou cette. Mais c'est quoi cette. Est-ce que t'as ta Switch ou ta box à un endroit différent d'habitude? Non. Ok. Rien de chaud. Bah j'ai plus de solution pour toi, désolé. Je vais redémarrer le jeu. Ok. D'accord. En espérant que ça fonctionne mieux, Antoine. Oh désolé le chat et désolé à vous. Reste appuyé 3 secondes hein, sur la box hein, quand tu vas redémarrer ton jeu. Hein. C'est important. Le jeu. Hein. Bien sûr. Reste appuyé, mec. J'arrive. Au pire, tu fais un partage de quoi avec ta 4G? La 4G. Ouais, c'est la version 4G parce qu'en fait, je suis à Los Angeles la semaine prochaine. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ah, mais oui, c'est vrai. Tu fais quoi à Los Angeles, mec? Je vais voir le Summit qui est un tournoi de Smash sur invitation et je suis invité pour recaster en français là-bas. Sur invitation, comment ils drôlent? Ouais, grave. Nous, mec, d'avoir été invité. Bah, quoi, c'est le nom du tournoi, c'est un tournoi. Insérez une justification ici dans 3. Mais si, c'est vrai. Attends, mais c'est pour le show, quoi. C'est un truc avec les meilleurs joueurs invités par. Il y a les meilleurs joueurs du monde, ouais. Et toi? Ouais. Mais non, et toi? Moi je casse, moi. Ah oui, c'est ça. Je vous regarde sur Riverside Park là. Ok, cool.
I'm casting. Du coup, c'est dès que t'es dans le lobby que tu décores en fait à chaque fois. Je sais pas. On va voir. Il y a quand même un pattern, j'ai l'impression. Non, non, dès que j'ai commencé à se respecter, il n'y aura de communication sur vous. Mais quoi? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Hein, bonne soirée, mec, c'était cool en vrai. C'était cool, hein. Oh la soirée Golf Fit, cool. Oh la soirée Golf Fit, elle va être énorme. C'était toi Ultia, non ça va. C'est cool hein. De quoi? Oh, non, moi j'ai cut. Oh le code M3 V3 là. Attends, je retente, hein, je retente. Ultia, est-ce que tu penses qu'il faut chercher des solutions? Quoi? Peut-être ça va aller très vite. Oh connasse. Non, je te permets pas mec. Je te permets pas de te traiter de connasse en fait. Quel bel exemple à montrer à notre jeunesse en vrai. Elle va klaxonner, elle va klaxonner. C'est ça, vos chauffard, bouge là ta caisse. Et en plus il le pense, c'est ça qui me fait de la peine. Putain, je suis 9ème, je suis... Non, t'es vraiment une connasse. Mais oui, mais je venais de ratio Rayou pour toi et après tu fais ça, ça dégoûte. Je venais de ratio Rayou, mon dieu. Ratio pour moi. Donc j'ai guidé par le ratio, mais je suis vraiment... Tu l'as fait pour moi. Ratio. Oui, je l'avais fait pour toi. Oh, c'est tout ce que t'es capable de faire. Oh mais Ultia, elle a cassé la bleue. Mais le jeu est nul à chier, le jeu est nul à chier. Ok, je vais peut-être pouvoir être avec vous. Non, ah, c'est pas ça. Voilà. Aucun risque. Jeu est nul. Okay. J'ai été trop forte. Contre, les nouvelles maps, honnêtement, c'est banger les nouvelles maps, les gens. On est d'accord, franchement, on est d'accord. Il y a aucun rapport, avec le fait que je l'ai bloqué. J'ai pris Pic DK. Horrible. Okay. Je suis le seul à avoir pris, je vais déco. D'accord, Antoine. DK. Ah, si tu te vois seul, ouais. Ah, je suis le seul à avoir pris le personne truc. Personne veut là. Non, non. Ah non, mais je peux pas jouer en fait. T'es pas dans la room. On les fait dans l'ordre, c'est pour ça, ma petite Florence. Non, mais y'a pas la moyen faire, que quelqu'un d'autre crée la room. Bah ouais, non, mais ça changera. Oui, vas-y, vas-y. Avant de faire le DLC, quoi. On quitte maintenant. On quitte maintenant. Bah, vous plaît. Parce que je joue pas depuis tout à l'heure en fait. Vas-y, bah, je s'en fous. Reste commenté, Antoine. Eh, reste à ta place, mec. Redémarre la Switch. Ah, mais juste des blagues, Antoine. Bon, je vais redémarrer la Switch. S'il te plaît, redémarre la Switch, Antoine. En vrai, je sais que je suis relou, mais faudrait vraiment écarter la piste de Ethernet, je vous jure. Hein. Je vous jure que parfois ça résout des problèmes. C'est mystique comme truc, mais... Non, mais c'est mystique, vrai. C'est mystique. Oui, mais en vrai, au moins, on écarterait ça, comme, enfin, tu vois. Il a pas forcément la box à côté de sa Switch aussi, après. Ouais, ou alors ça, un câble très très long, tu vois. J'ai créé, hein, du coup, j'ai créé. D'accord. Certains cherchent des excuses, d'autres les moyens. Oh là là. Bah, à part faire tirer des câbles, c'est compliqué. Et du coup, par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai les prises CPL là, et le Ethernet de la Switch et pour mon PC passe dans l'électricité, dans le mur. J'avais ça jusqu'à ce que ça détruise deux de mes box. Ah. Ça a tout détruit, ouais, ça a tout détruit, et du coup, j'ai ma box en plein milieu de chez moi actuellement, qui est branchée à un endroit qui est en plein milieu, qui est relié à mon PC avec un truc de 10 mètres. C'est un enfer. Ouais, c'est bien, t'es bien là. T'es bien installé, je suis au calme, non? Au calme, non? T'es posé, c'est vraiment un endroit de travail reposant, j'imagine. En fait, ça marchait bien quand on attendait Rivenzy dans la room tout à l'heure. Mais j'avoue, Antoine, tu stream... Là, vous venez de me voir arriver, là? Oui, on te voit arriver. Ouais. J'arrive, les amis. J'avoue, Antoine, tu stream en Wi-Fi? Ah non, pas du tout, non. Je stream en Wi-Fi. Bah voilà, donc t'as ta box pas trop loin. Ah si, le câble il fait Et ben on trouve un deuxième. C'est un très très long câble. D'accord. Non, mais après il suffisait de mettre un petit hub Ethernet et puis Oui, tu peux faire ça. Bien sûr. Mais je vais pas faire ça maintenant. Bien sûr. Bah si, tu vas faire ça maintenant. Bah, je vais faire maintenant, je te dis tout de suite Antoine en fait hein. Et sur un autre ton hein, par contre hein. C'est bon toi. Non, mais oh. Bien sûr. Je vais me le faire livrer tout de suite là. Merci mec. Tout de go. Merci mec. Tout de go. N'oublie pas les IA étoiles. C'est moi qui ai créé. Ok, je n'oublie pas les IA. Ouais, j'ai mis les IA. Oublie pas de pas déco, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Hein. Antoine, est-ce que tu continues classement? On recommence depuis le début ou on fait pic DK? Non, on prenait pic DK. Est-ce que, Antoine, tu continues le classement des villes de France ou pas là? Bien sûr. Et alors, ça en est où là? J'en suis à 80. Combien? 94 villes sur 150. Oh. Il est éreinté quand tu Alors, sache que. Tu as parlé du télégramme pour Quimper? Oui, je sais. Ah oui, ils font des articles sur moi tout le temps là. Bon. Sache que un journaliste du Telegram de Quimper m'a contacté pour avoir ton compte. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je te jure, en mode ouais, je vais bien entrer en contact avec Antoine, est-ce qu'il y aurait moyen, machin et tout. Du coup, je vais tout donner, ton numéro de sécurité sociale, ta pièce d'identité, ta carte de crédit. Bon, après, il m'a dit de donner les infos, donc j'ai tout donné. J'ai pris dans le doute. Hein. Dans le doute, j'ai tout donné. Comme ça, il manque rien quoi. Et je sais pas comment t'as eu mon. Oh, pic DK incroyable, j'avais même pas fait gaffe puisque celle-là. Les gens te veulent du mal, Antoine, donc j'ai réussi à trouver beaucoup d'infos sur toi. Oui, je sais pas que ça.
Donc j'ai pas encore craché le morceau, mais voilà, à mon PayPal, je t'envoie mon PayPal, comme ça tu pourras faire le virement. Pas de soucis. Je garde le secret, mec. Putain, je joue sans bugger, quoi, pour l'instant. Bravo. Bon, c'est un peu. Ça va, Ponce? Ah, ouais, c'est Ponce qui t'avait bloqué, hein. Attention, le cut de Shroom. Oh, y'a un cut aussi, c'est vrai. Ok. Comment ça, c'est vrai? Tu l'as découvert? Mais non, c'était une masse de... Oui. Oui. On l'a joué. Un classique, on a bien pas celle-là. Il y a eu des gens, il y a eu des jeux avant Mario Kart 8, là. Bah on m'a dit que c'était plus la méta. Ouais, c'est plus la méta. C'est quoi la méta? La méta, c'est... Quoi de nous? Harmonie, quoi de nous et tout. Ah d'accord. De toute façon, je vais jamais faire un méta save. Mais Yoshi est bien, hein, Yoshi est bien, ouais. Moi, je le vois Luigi par conviction, hein. Non, mais là, je suis en scooter. Oui, le son du jeu est trop fort, mais j'arrête pas de le baisser. J'ai l'impression que les cartes, les maps sont pas égalisées de la même manière. Ah ouais? Mais non, mais c'est impossible. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plusieurs fois que je le baisse. Ce serait bizarre la part de Nintendo de faire des choix de merde en vrai. Ouais. Non, mais ça doit être. Mais oui, on est. Non, Mass Masher, je vais pas le tenter maintenant. Il est imprenable, enfin, il est hyper chaud. Bien sûr que non, qu'il est pas hyper chaud ce cut! Moi, je suis comme une merde! Ah, mais tu tombes 10 000 là! Mais le cut, il est incroyable, il te renvoie tellement loin. Ah, bah oui. Oh non. Oh, mais vous me cassez tous les couilles à me rentrer dedans là! Déclare, s'il vous plaît! Oh, c'est pas le but du jeu quand même! C'est horrible. J'ai perdu toutes mes pièces à cause de vous. 8ème pour l'instant. Ouais, bah plein de fois je suis 10ème. Attends, découverte. Ouais, yeah. Ah, c'est sympa ces 3 bananes à la sortie du canon. Ah ouais, moi je trouverais ça acheté en vrai. Banana Split. Chanson de Lio. Panda. Je la connais par cœur, elle est horrible. Je pourrais la chanter à cappella. Moi je l'adore. Vas-y. Bah, chante-la chez toi, pas à cappella, c'est loin. Oh là là, et t'as bouffé du clown ou quoi ce soir? C'est très drôle ce soir. Putain, je suis tombé pendant 4 minutes au moins. J'ai pas eu de. Oh, mais putain! Ah, voilà. Mais putain, voilà, ça fait 2 matchs. Mais n'empêche, je finis deuxième. Bravo. Moi, je me suis doublé par un bot. C'est énorme. Bravo. Je finis deuxième. Sixième, catastrophique. C'était dur. Je suis doublé par Iggy. Putain, j'ai dédoublé par Iggy, quoi. Moi, je l'adore, Banana Split. Pourquoi tu l'aimes pas? Banana Split. Nanana. Pour la deuxième signification? Bah, parce que c'est de la merde en vrai, non? Non. Quoi? En vrai, il y a peut-être mais une moi, j'aime trop. Mais quoi? Moi, j'aime trop Lio. Je la trouve trop cool. Est-ce qu'on irait pas à Meda parce que Antoine, il a pas vu à Amsterdam? Bah, il veut pas. Il veut pas. Ah, ok. Si, on y va, on y va. Meda un peu après, on découvre tout ensemble les trucs après. Ok, ok. Et je me roulerai un petit pilon. Et bah pour fêter ça, Big Blue. Non mais alors lui. Ouais. C'est pour mettre un peu d'excitation, genre. Ouais, grave. C'est pour mettre un peu d'excitation. Sinon, tout est couru d'avance, hein. Bah oui, comme 1000 fois. Mais comme ça, on est en mode peut-être, ça va alors, voilà, tu vois la surprise du chef. Bah ouais, exactement la surprise du chef. Benzema, KB9V. Voilà. Exactement ça. J'ai une vraie question sur Benzema. Ouais, ok. Alors moi, j'y connais rien au foot et tout, donc du coup, c'est une question innocente, d'accord? Ouais, aucun problème. Et donc du coup, maintenant... Ils ont déjà marqué des buts, oui. tout le monde est en gros kiff sur Benzema, etc. Et en fait, je me pose une question. Est-ce que les gens lui en veulent pour avoir fait chanter Valbuena ou pas? Alors là, franchement, j'ai pas la question, moi non plus. Oh, la question, ça, j'ai même pas, non. Parce que j'ai l'impression que... Du procès. Ok. Je sais même pas comment ça s'est fini. D'accord. Parce que moi, je me posais vraiment en mode. Mais tout le monde s'en fout qu'il ait fait ça. Le procès de qui? Excusez-moi, j'étais pas là. Mais les gens disent qu'on s'en cogne. Oh, tout le monde s'en fout, c'est ça? Scandale par rapport à ça. Y'a pas mal de gens qui disent on s'en bat les steaks. Parce que du coup. Ouais, d'accord. Y'a des gens qui disent non, c'est une grosse merde aussi. Oui, un peu. Ok, les gens s'en foutent. Les gens ont vite oublié. Parce que ça se fait, en vrai, c'est pas très sympa, quoi. Non, pas de ouf, quoi. C'est sympa, quand même, cette fille. Et il y a des gens qui disent... Ils ont tous oublié parce qu'il a gagné avec des champions. Oh, la phrase de... Ah. C'est vraiment une vraie question, parce que je me demande... Mais il a été condamné, ou pas? Je crois qu'il a été déclaré... Des conséquences de la FFA, quoi. Il me semble qu'il a été déclaré coupable, ok. Mais voilà. Je savais même pas qu'il avait été condamné. On sort. Non mais par la fédé, par la fédé. Mais condamné devant un juge. Moi je sais pas du tout. Je suis en face de mon micro, c'était pour ça. Qu'est-ce que tu connais au droit, Florence?
Pas grand chose, figure-toi. Benzema, c'est surtout les gens de son entourage qui ont pris cher, il me semble, parce que c'était. Lui était maître chanteur, mais en fait, c'était pas lui qui avait la sextape, je crois que c'était un pote à lui, et donc du maître coup. Comme exact Bill. Ouais. Alors, pas tout à fait ça, mec, je crois. Hein. Quoi? My bad, pardon. Trop fort, Exakil, putain de merde. Il a gagné combien de d'euros d'être bon à n'oublier pas les 350 000 balles, un truc comme ça, je crois. 350 000. Ok. Et il est recordman du nombre de victoires dans l'émission, quand même. Hein. Ah ouais? Colossal, mais non. Ouais. Pas du gain, mais du nombre de victoires consécutives, ouais. Ah ouais. 65 victoires. Et les si tu veux, maintenant, il y a moyen que nos oncles, nos tantes, nos mères. Oui, ils connaissent tous, ouais. Vraiment. moi, je sais que mes parents connaissent. Ah ouais? Ah ouais, ils regardent N'oubliez pas les paroles. Ils regardent N'oubliez pas les paroles, ouais. C'est trop marrant. C'est ce qu'il disait dans l'émission de Popcorn hier, c'est qu'en gros, bah là, il y a pas mal de gens qui reconnaissent et pour la plupart, c'est bah, du coup des vieux quoi. Pour moi, bizarre. Merde, je les ai aidés. Mais moi, j'ai regardé son truc là. Putain, mais vous j'ai adoré. Dégage. Non, j'étais passé devant à la dernière minute, j'espère que t'as honte. Bah non, mais t'as trop bien joué, t'as pris un terre et tout. Merci. Ah oui, donc tu m'insultes alors que t'as juste bien joué. Non, mais l'un peut aller avec l'autre. Ok. Ok, elle a juste pris une perfect line, elle m'a regardé, elle m'a dit oh, ta gueule, sale chien. Bah ok, hein, un jour je vais te mettre un paquet et je vais dire oh bah alors, bouffonne. Wow. Je paierai pour être là ce jour-là, je paierai pour être là, Rayu, je te le dis. Alors bouffonne, un gros 3-0 là. Très bizarre à étoile ce soir. En plus, éponge, j'ai un nouveau perso. Oh là là, vous allez voir, hein. Je joue Rob maintenant. Oh, ah, t'es un méta slave fini, mec. The fuck. Okay. Salut, okay, comment oui, débloquer tous les nouveaux persos? Malgré nos X victoires avec ma fille, on n'a qu'un perso de débloquer. Oh, alors? Quoi? Comment on fait déjà? Faut jouer mieux, faut arrêter d'être acheté au jeu. Non. Comment ça qu'un perso? Non, t'en as plein, mais au début. Si, non, c'est pas ça. Il faut attendre. Ça, même. Il faut attendre jusqu'à la fin de l'année et il n'y a rien à faire de spécial. C'est ça la bonne réponse. En fait, c'est les persos. Dans la sélection des persos, il y a 5 ou 6 points d'interrogation restants. Oui. Et c'est juste que ces persos vont être ajoutés au fil de l'année jusqu'à décembre 2023. Elle parle de Smash, je pense. Mais je pense qu'elle parle de Smash en vrai. Smash. Ah, de Smash? Mais il n'y a pas qu'un perso sur Smash. Ah ouais? Attends, tu parles de quoi, Xav80? Parce que si pas la fin de la game de tout à l'heure. Xav80, tu dis n'importe quoi là. Xav80, il faut que tu nous expliques. Je suis un peu. Mais la fin. Ah mais putain, je suis pas du tout le script de la soirée là. Xavier Bigo. Tu parlais d'un truc, Ultia, juste avant la fin de la game. Quoi, que je venais de niquer étoile? Non, avant, encore un revenons au jeu. T'étais en pleine explication d'un bug. Valbuena? Okay. Non. Valbuena. Encore. Valbuena. Valbuena. Histoire de fou. Valbuena. Encore. Putain, mais Rayou! Qu'est-ce que j'ai fait? Bah. Mais je sais pas, qu'est-ce que je disais? Mais mec, bon, on sait rien non plus, nous! Oh, Antoine, un tu vas être trop le truc d'Exakil! T'as Antoine... regardé un truc qui parlait oui, d'Exakil? Étoile, moi, étoile! Sur ça, ah, il y a une map Singapour, il y a les trottoirs blancs et noirs comme sur GeoGuessr. Oh, ouais. Oh là là, oh, l'odeur en fait, de la. Ah ouais, ça rend trop heureux en vrai. Je veux l'anecdote de Ultia. Ouais, vas-y, Ultia, mais non, mais c'est. En gros, j'étais curieuse, donc j'ai regardé les vidéos YouTube qui publient sur la chaîne officielle de N'oubliez pas les paroles pour voir la performance d'Exa. Oui, oui. Et en fait, dans les commentaires, il y a vraiment Richard qui dit genre notre ancien maestro était beaucoup mieux. Enfin, genre vraiment des haters, mais de 60 ans. Je pense que toi, Ultia. Ah oui, tu les as vus, les haters de 60 ans. C'est trop intense pour une émission. Quoi. Mais de ouf. Et franchement, j'étais pas du tout dans ce game, quoi. Et là, j'étais en mode. Si tu connaissais le maestro précédent, Ultia, tu dirais pas ça. Hein. Je crois que c'était une maestro, du coup. 65 victoires, il est vraiment honteux. Quel niveau horrible il nous propose. Et genre, ils disent qu'il est. Il y a plein de gens qui disent, ouais, en plus de ça, il est hautain et tout, alors que je trouve. Cool. Tellement pas, genre on ne connaît pas la même personne quoi, vraiment. En vrai, il y avait plein de gens qui étaient trop fans de lui en fait. Ouais, c'est vrai. La plupart des gens ils étaient trop en mode. Non mais j'ai quand même, enfin oui, là je parle du négatif, mais en vrai j'ai quand même découvert des gens très très engagé. Très engagé, ouais voilà, genre en alors, mode. Dis-toi que très quand j'ai important fait le react de. Alors je sais pas si toi t'as vu ça avec Samuel Etienne, mon cher étoile, mais quand moi j'ai fait une émission avec Cyril Ferraud sur mon live, du coup il y avait les groupies de Cyril Ferraud. Oh, ah ouais, je t'ai fait dodge.
Non. Ah ouais, Dieu, ça c'est trop drôle. Gênant ce que j'avais des fois en mode. Oh mon fils Siri, je t'adore, c'est vraiment énorme. Et en fait, t'allais sur leur compte Twitter à tous ces gens-là. Et en fait, c'était que des photos de Siri Firo avec des cœur, Siri Firo, cœur. Et il y en a sur toi aussi. Il est bel homme, hein. Il y en a sur toi aussi, hein, Rivin. Alors, Cyril Ferrou. La classique, c'est sur Cyril Hanouna, mec. C'est quoi ? Cyril Hanouna, les fans comptes de Baba. Les fans Zouz, hein. Genre, où t'as des comptes fans, où c'est des dingueries, genre en mode, t'as des biographies avec marqué la date où Cyril Hanouna a like un des tweets de la personne. J'arrive pas à savoir s'il a les yeux bleus ou marrons. En mode... Ils font genre des... en pépé, ils ont Cyril Hanouna et ouais, tout. Ouais, c'est... Enfin, je supporterais pas que des gens aient des pépés avec ma tête dessus, quoi. Ouais, insupportable. Ça me casse trop les couilles, là. Genre, imagine avec des oreilles de chat, mec. Non, ça... Cringe. Est-ce que vous avez la chance d'être follow par Cyril Hanouna, à part Antoine, bien sûr, du coup? Je n'étais pas follow par Cyril Hanouna, mais j'étais bloqué par Morandini. Ah, pas mal. Ah ouais. Bah, j'aurais préféré ça, mec. Ouais, je préfère ça aussi. Ah ouais. Non, je suis pas suivi par Cyril Hanouna, pour le coup. Il s'est passé quoi avec lui? Bah, il y avait plein d'affaires judiciaires sur son cul de merde, et puis et puis bah j'avais fait des vannes, on va dire. Un Florence. Peu plus. Bah, Florence, c'est quoi cette map de merde? J'ai mis aléatoire. Voilà. C'est la pire map du jeu, voilà. Mais oui, mais c'était Royaume Sorbet. Ouais, bon, voilà. Ouais, mais le but c'était de. Ok. Mais... j'ai tout entendu. Mais je n'aurais jamais choisi ce Royaume Sorbet. Enfin. Bloqué par Morandini parce que t'es trop vieux. Ouais, ça doit être ça effectivement. Waouh. Très bien. Waouh. Moi j'étais bloqué par David Lafarge Pokémon. Oh non. Ah ouais. Moi je suis bloqué par Tiffano. Parce que. Oh. Il a des news sur Zelda là. En fait j'avais fait une blague de merde il y a longtemps, je crois en 2014. En vrai, ouais. un truc pas drôle en 2014. Et du coup il m'avait bloqué en 2014 et en vrai c'était mérité. Et 8 ans plus tard il m'a débloqué. Ah. Mais genre sans que je disais. C'était quoi la blague genre... Non, j'avais fait une vanne. Il avait dit Tiffano, grosse merde, j'espère que tu meurs. En vrai, la vanne était drôle. En vrai, la vanne était drôle. Mais... Non, attends, toi, c'est David Lafarge. Non, c'est David Lafarge, je confonds pas. David Lafarge. Ne confonds pas tout. Non, mais j'avais fait genre juste, j'avais fait un jeu de mots de merde, mais c'était rien de border, hein, mais j'avais fait une vanne. Et en vrai, à l'époque, il vannait tout. Enfin, il bloquait tous les gens qui vannaient. Parce qu'il se faisait beaucoup vanner, je pense qu'au bout d'un moment, t'en auras le cul. Oui, et donc, quand, quand tu te fais vanner une fois, bah tu bloques quoi. Comme quand Zerator m'avait bloqué aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, Zerator m'a bloqué en 2016. Putain, je suis deuxième, je veux tourner. C'est pourquoi? Parce qu'il a fait une blague de merde aussi, en fait, évidemment. J'ai pas de drôle blague de merde aussi sur son studio de jeux vidéo en 2016. Et il m'avait bloqué. T'avais dit que c'était un flop noir, c'est ça? Non, pas du tout, en gros, en plus c'est nul, c'est nul à chier. Il y avait une photo de lui en train de tester le jeu sur un PC, il y avait une pièce de 20 centimes à sa gauche et je disais, et à gauche on a le... J'imagine la balle. Rémunération des devs du jeu, tu vois. C'est nul à chier. T'as dit quoi? J'ai dit, et à gauche nous voyons ici même la totalité des revenus des devs du jeu. Des devs, en vrai c'est trop marrant, enfin... Oui mais non, c'est rigolo. C'est aucun humour, Adrien, de façon. En vrai, moi je trouve ça marrant. C'est bon. Bah, c'est rigolo en vrai, la pièce de base. Mais il m'a débloqué, tout va bien, tout va bien. Oui, non, en vrai, non, dis-le à quel point c'était compliqué. Non, dis-le. C'est compliqué, mais bref, voilà. Moi, je sais même pas par qui je suis bloqué parce que je. Bah, par moi. Ah. Je suis bloqué par Antoine, je le vois plus sur Twitter. C'était l'épisode du gros chien, c'est ça? Exactement. Bâtard, moi. C'était ultime, grosse merde. Ultia, lâche ta banane. Oh. Voilà, ça s'est lâché. Merde, hein. Hop là. Et en plus, t'as menti parce que pour le coup, j'étais dispo. Attends, mais Ultia, t'es mécaniquement irréprochable, hein. T'as vu? Je suis trop forte, mais mec. Quand est-ce que tu vas te choquer? Ah là, tu vas te choquer parce que tu vas pas prendre assez inter. Oh non! Bah non, c'est le dernier tour, bro. Non! Désolé. Oh là là! J'étais meilleur que toi, Angle, sur ce coup-là, c'est tout. Ultia, non, mais t'as triché avec le bill, c'est ça la réalité. Non, il y a aucune réalité pour le coup. Je suis pourquoi tu t'es bloqué par Tiffano, Ultia? Alors. Ah. Waouh, OK. J'ai été bloqué par Tiffano parce que j'ai dit qu'il jouait mal, voilà. Ah. Quoi? Ouais, c'était en 2013. Et je sais plus le contexte exact, mais c'était en 2013, donc j'avais genre 18 ans, et je regardais son let's play sur Super Mario Sunshine, et en vrai, franchement, je trouvais le let's play nul. En même temps, quel jeu de merde, mais bref. Et du coup, enfin, genre sa manière de jouer, elle me frustrait, parce que... Mais en fait, j'ai expérimenté tout ce que je déteste aujourd'hui. Enfin, j'étais vieweuse, quoi, donc je sais tout ce que je déteste aujourd'hui, je pense, mon comportement à ce moment-là.
Hein? Mais non, mais t'as compris, genre, tu sais, quand quelqu'un vient de s'inscrire sur Twitch et qu'il backseat, tu peux pas lui en vouloir de pas savoir qu'on doit pas backseat, tu vois, ce genre de truc. J'adore tout le monde qui passe sur le chat, donc. Quel gros faillot. Pas entendre. Et du coup, j'ai dû dire un truc du style, le let's play sur Super Sunshine, c'est vraiment une plaie, quoi. Ouais, et je me suis bloqué. En même temps, t'as un level aussi sur Sunshine, normal, tu trouves tout le monde à chier en vrai, mais. C'est un jeu hyper dur. C'est un jeu hyper dur en vrai, Sunshine. T'as dit quoi, Florence ? Le jeu est bien. Je pense que le problème, c'est Sunshine en fait, c'est pas le problème. Mais comment ça, c'est le problème ? Il m'a bloqué, par contre, je sais pas s'il m'a débloqué ou pas. Bah, elle a fait un stream sur Sunshine, peut-être deux. Non, j'ai pas fait un stream sur Sunshine, j'en ai fait beaucoup trop, j'en ai fait plus que ça. Ah ouais. Moi j'adore le jeu. C'était horrible, j'ai perdu des points de santé mentale à ce moment-là. J'ai jamais joué à Sunshine de ma vie, je. Moi non plus. Pareil. Franchement, mais présentement. Il est incroyable, c'est le meilleur Mario. C'est un jeu pour toi, ça. C'est un jeu pour toi de fou. Ah, ça veut dire que c'est un jeu tryharder de merde. De fou. Franchement, il est trop bien. Non, mais je suis plus un tryharder. Hein. Non, clairement pas. Arrête, parle tellement vérité que tu peux pas te trouver être dans le monstre. Non, mais je peux pas mentir maintenant, mec. Non, mais je te jure que. Non, mais là, les gens vont être en votre rang, mais les gens qui me connaissent vraiment. Je vous jure, je suis plus tryhard. Moi, je ne sais pas. On se voit pas qu'on te connaît pas vraiment, Rayou, mec, c'est ça. C'est ça, mec. Bah, t'as arrivé, t'as dit que je suis le Rayou de 2018. Antoine, c'est chill tryhard, c'est parfait. Donc, t'es tryhard si t'es le Rayou de 2018. Non, tu t'es clairement. Je me suis assagi. C'est parfait, c'est vrai. Oui, mais t'es arrivé en disant je suis le Rayou de 2018. Ah, je reste. Alors que Rayou 2020, moi, je peux vous dire qu'il était. Non, mais je veux dire, t'es. T'as bien joué aux jeux vidéo. Speedrun Minecraft en ce moment. Mais pas un défaut, ouais. Rayou. Mais speedrun, mais je chill quoi. Ça n'existe pas, c'est pas compatible. Bon, ça c'est un peu bizarre comme ça. Je chill. Non. Putain, je vais te défoncer. Moi je suis en train de raconter des salades, Rayou. On était tous chill et fumé la mèche. C'était tellement bien, JO. Ah ouais, tu nous as régalé en tout cas, nous pulvérisé. Il avait mis 4 fois le nombre d'heures alors que nous ça faisait 2 mois qu'on y jouait, lui en une semaine. La méta du 400 mètres, mec. Mais j'étais sur ma chaise de jardin à l'époque. Oui, c'est vrai, c'était nerf. Bah ouais, j'avais la chaise. Tiens, je vais maintenant. C'est un buff. Oui, c'est un buff, 100%. C'était tellement bien la chaise de jardin. C'est mieux que stream avant, hein. T'as sur la chaise de jardin là. Ouais. Mais là, j'ai acheté un appareil photo, du coup, je vais enfin avoir une vraie cam. Ah yes. Moi, il se fait mais j'ai pas les moyens encore donc. C'est comme une cam Ethernet. 120 là, son câble Ethernet. C'est vrai que t'as une C920. Et ton décor, j'en ai où? Moi, j'ai encore une C920 aussi. C'est vraiment un mec. C'est le micro de la cam, la crampin. Je détesterais être abonné à ta chaîne, putain. Et le décor, il en est où, Antoine, du coup, en ce moment? Il est en fond vert. Justement, peut-être qu'il fait du chantage pour que, comme ça, il change son matos. Il a sa wishlist soirée avec Antoine, on discute, il dit, ouais, bah là, le décor, ça arrive pas, là, je suis dessus. Là, ça arrive fort le décor. Ouais, il y a 2 ans. Je crois que commencer dans Est-ce que vous comptez merci faire la pour ce gift à rate, tu signes. Bah, j'avoue que pour ma somme, je pas trop mon perso. Merci Vinus, merci Ragarotil, merci. J'ai pas vu la liste des jeux. Merci Wiki. Putain, Antoine, tu veux pas envoyer une lettre recommandée pour qu'on commente ensemble? Merci Rochizou, merci Maël, merci beaucoup. Parce qu'en fait, à son contact aussi. Bah, en fait, l'organisateur refuse de me parler quand je parle de ça. De quoi? A chaque fois que je parle à l'organisateur de Montpellier en lui disant. J'aimerais bien caste ta LAN. Il me répond, bah en fait non, puisque tu vas la jouer. Et je lui dis, ouais, mais j'aimerais bien la caste. Il me dit, bah en fait non, parce que tu vas la jouer. Et le dialogue est coupé. Bon, alors je suis allé voir si Tiffano m'a encore bloqué ou pas. Et. Oh, il m'a débloqué! Oh là là! Oh là là! Mais non! Mais t'es en surveillance, hein, néanmoins. Mais tu prends le let's play de Super Mario Sunshine ou pas? Franchement, faudrait que je le re-regarde pour voir si c'était justifié ou pas. Ouais, c'est. Il est sur le live, Tiffano, du coup, il a. Bonjour! Il a ça, c'est pas très ratus. Bonjour! Grand respect. Regarde le trottoir, il est blanc et noir! Le trottoir, il est blanc et noir comme à Singapour! Oui, effectivement. Pourquoi on est sur Singapour, là? Tiffano. Ah ouais. Un pixel l'imitation, bravo. Ah ouais. Attends, mais c'est Tiffano quoi. Ouais, grande imitation. Tellement pas, ouais. Putain, mec. Salut, c'est Tiffano. Salut, c'est Tiffano. À fond de mon regard. Ça vient de lui le même, à fond de mon regard. Oui. Ouais. Ah ouais. Si. Bah oui, ça vient. Ouais, c'est lui, à fond de mon regard. Ah ouais. Oui. Que Kamel lui avait dit quand il l'avait 1v1. Il avait un verre, il lui avait dit ça. Il lui avait dit affronte mon regard. Ouais, il lui avait dit. Il lui avait dit affronte mon regard en UHC, genre. Le relou. Ah ouais, bien vu, Antoine.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, 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 putain! Ça, c'est pas elle est incroyable cette map. Elle est jolie. Oh putain, je suis auto-sniper. Merde. Ça me gratte. Ouais, elle est trop belle cette map. Putain, mais je fais n'importe quoi, c'est une. Comment tu vas à Singapour? Singapour. Non, 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 Antoine! Mais Ulti est la meilleure joueuse du monde. Est la meilleure joueuse du monde, là. Merci. Il a joué d'Europe, hein, je le rappelle. Hein. Après, tu vas pas faire première, ça. Mais. Oh putain, j'ai failli me prendre une dingue. Oh putain, la dingue. Elle est vraiment belle, cette map. Je peux pas m'avoir en pleine course, donc je suis désolé. JD, on va ta rouge. On va rester sur cette voie horrible. Non, c'est pas horrible. Ah, pas horrible, en vrai, ça va. C'est juste la voie de Tiffano, mais. Ah ouais, c'est Tiffano. C'est pas exactement ça, mais. On est tellement pixel, mec. T'as jamais joué au jeu! Du coup, tu joues beaucoup à Minecraft? Enfin, à Minecraft, pardon, à. Ah ouais, de fou! Mario Kart, Stefano ou pas? Bah, oui, oui, oui! Ok, top, top, top! Ah, mais vraiment! Oh, c'est vraiment le sketch le plus nul que j'ai jamais vu! Ouais, 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 ouais! Ouais, ouais! Je sais pas qui est! Ah, c'est. On dirait un TPE, top, quoi! Top, 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 super! Putain! J'ai aucune inspi! Ah bah, t'inquiète, mec! Pourtant, moi, je me souviens que Stefano, une fois sur Twitter, il avait dit qu'il aimait pas mes vidéos! Mérité! Qui? Stefano. Et du coup j'étais triste, je me dis pourquoi il dit ça Stefano. Bah en fait parce qu'il aimait pas mes vidéos. C'est dommage ça. C'était la raison. Oh c'est triste. Retrouver ma voix normale, voilà. Oh c'est vraiment un backspam de raciste. C'est pas moi, c'est JD. Oh mais genre ça pue c'est la... Genre ça pue la je m'appelais Rimendi ou quoi. Ah non mais genre ça sent la xénophobie et tout genre. Ouais, ouais. En fait ça sent la négativité, ça sent la haine de l'autre. Ça sent genre... Oh ça sent le Saint-Nectaire pas cuit genre. Comment ça? Comment sur le Saint-Nectaire? Bah c'est vrai que c'est très bon le Saint-Nectaire. C'est bon le Saint-Nectaire. Merde j'ai repris la même map, excusez-moi, j'ai pas dit. Oh, excellent, excellent snipe, j'ai des bien joué. Ah mais en fait ça y est, on a fini les courses du DLC. Non, il en manque plein. Enfin, il n'a pas fait Mario déjà, circuit Mario. Circuit Mario. Déjà, en plus, Rayo, tu mérites merde. Aussi cette carapace parce que tu trouves que Riverside Park est une map de merde. Elle est nulle à chier, ça, mec. Déjà, voilà, ça m'a choqué, ça déjà. Nulle à chier. Et circuit Mario, t'en penses quoi alors? Bah, en vrai, pour un circuit Mario, je la trouve vraiment bien. Okay, elle est sympa. Oh, vraiment, parce que je trouve que les circuits Mario de... Je suis en pour la première fois, là. Salut Alex. Les circuits Mario de ce Mario Kart, je les trouve vraiment pas ouf, mais celui-là c'est le meilleur je trouve. Ok vas-y, à part Riverside Park, du coup que t'aimes pas, c'est quoi la pire map du DLC selon toi? Bah que Riverside Park je pense. Mais moi j'aime bien Riverside Park. Bah ouais, elle est sympa. Non, il y en a une qui est horrible dans le premier DLC là, qui est... Les textures elles sont affreuses. Ah non, on parle dans cette vague là. De ce DLC là je crois. Ce DLC oui, juste ce DLC. Ah non, je croyais que c'était tous les DLC. Ah non, celui-là ouais. Moi j'adore ce DLC en vrai, je trouve vraiment très cool. En vrai il est mieux que c'est probablement le meilleur DLC de ouais. La... Ah non, le 3 mieux. Oui. Ah, je trouve vraiment bien. Moi je trouve la pire map... Les cours sont cool. La pire map du DLC, de ce DLC, non. Est Pic DK. Voilà, je le dis. Quoi et... Non, voilà, t'abuses. Non, voilà. C'est pas vrai, ça mec. Non, c'est pas Pic DK, c'est vrai. Moi je la trouve vraiment cool. Voilà. En fait, après c'est peut-être parce que t'es trop nostalgique de la vraie. Mais ça peut. Ouais, je pense que c'est ça parce que moi vraiment je la trouve sympa. Ouais, elle est moche par rapport aux autres qui sont trop bien refaites en fait. Mais oui, peut-être. C'est dur. Il s'est pris un up ton combo JD ou pas du tout? Juste Caldrex lui-même. Ah, ouais. Quand même. C'est ouf que. Je connais pas la map en fait. C'est ouf qu'il y ait des patchs encore. Hein. Alors que bon, il y a des jeux qui mériteraient vraiment de l'équilibrage chez Nintendo, ils équilibrent pas. Mais... Tu penses à quoi par exemple? Bref. Je pense qu'il pense plus à Shin Megami Tensei 5 en fait. Mais j'ai utilisé le fantôme. Oh mais les développeurs ont pris de la drogue. Putain. J'étais bien là. Oh non Florence, t'as pas fait ça quand même. Oh si tu l'as fait Florence. Ah oui. Grosse bouffe. Il reste encore un tour. Oh mon dieu. Oh chaud. Ah, mais ouais, y a vraiment des mises à jour sur le jeu, mais du coup Mario Kart 9 c'est pas de suite quoi. Contrairement aux prédictions JD. À chaque fois qu'on regarde un Nintendo Direct, JD me dit... Je suis victime de ma méconnaissance de la map. Putain. Non, non, t'es une mytho, ça Florent, se fait trop pas ce qui vient de se passer. À chaque fois qu'on fait un Nintendo Direct, tu dis, ils vont peut-être annoncer Mario Kart 9. Déjà, j'ai annoncé 48 nouvelles courses. Il y a eu 48 nouvelles courses ou pas? Fort. Ah, mais tu l'as annoncé depuis 2008, évidemment, au bout d'un moment, t'as raison. Et bah non, parce que ça aurait pu être Mario Kart 9, justement. Moi, j'étais plus partisan de nouvelles maps. Bravo Nostradamus. Moi, si je dis qu'ils vont annoncer une nouvelle console après la Switch, au bout d'un moment, j'aurais raison, forcément, tu vois. Il va annoncer une nouvelle console après la Switch. Je suis trop nul. Non, pas devant la ligne. Non, ça avance pas. Non, c'est dingue. Ah, ça va, ouais. Horrible, mon niveau est dramatique. C'est le nerf là, de mon kit là. Ça me c'est dingue. Mal. Putain, JD, le meilleur joueur du monde. Hein. Oh, c'est nul.
C'est toi, JD, qui avait parlé de la théorie de Mario Kart Ultimate. Oui, Mario. En fait, ouais. Moi, je pense. Oui. En gros, ce que je disais, il y avait que Ultia et Ponce qui étaient là, mais ce que je disais, c'est qu'à mon avis, sur la prochaine console de Nintendo, il y aura pas Mario Kart 9, il y aura Mario Kart 8 Ultimate avec déjà les 96 courses, plus genre 24 nouvelles, 24 remix, et qui vont sortir les quelques manquantes et des nouvelles en DLC. Ah ouais. Oh la flemme. Wow. Ils veulent pas faire un nouveau jeu. Bah après c'est Mario Kart, hein. Enfin je veux dire. Tu en fait, ce jeu est parfait. Ce jeu est parfait. En fait, il y a pas besoin. Enfin parfait. Il y a parfait. Pas besoin de. Il y a pas besoin. Le netcode, c'était pas mal. Ouais, ouais, en fait, oui, le netcode est à chier, mais je veux dire, tu vois, il y aura des petites améliorations comme ça, mais sur le fond, refaire un tout nouveau jeu avec des toutes nouvelles mécaniques de gameplay et tout, c'est hyper risqué, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y aura plus Mario Kart 8 Ultimate, mais avec quelques petites modifs. Non, mais F-Zero, ils ont plus, hein. F-Zero, ils ont pas. F-Zero, c'est. Non, c'est fini, F-Zero. Ah ouais, ouais. Après, on pensait que Professeur Layton, ce serait fini. Moi, je pensais même pas que ce serait fini. En fait, j'ai pensé juste plus, en fait. Bah non, mais Level 5 avait fermé, mec. Ah. En fait, Level 5 avait fermé, donc c'était en mode ouais, le jeu est terminé. Genre il y avait aucune possibilité. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison, Rayou. Et du coup, au final, Layton quoi. Donc. Bah ouais. En fait, c'était moi, c'est ma série de jeux préférée en vrai. Et du coup, c'est celle que je suis le plus. Et à chaque fois, chaque année, je me disais, je checkais les news et je me disais, oh putain, Level 5 est fermé. Je peux même pas me hype sur le fait qu'il y ait un nouveau Layton. Et en fait, bah là. Non seulement il y a un nouveau Layton. T'es sûr que c'était fermé le Valpa? Ouais, oh, en fait, oui, c'était fini. Ken, il me disait vraiment, c'est mort quoi. Genre. Pour la licence, je sais, mais tu sais, pour le Valpa, le studio. Ah non, le studio était fermé. En fait, le studio ne faisait pas de jeu en dehors du Japon. Et du coup, ça faisait que la licence Layton. La Layton. Genre, c'était abandonné quoi. C'était en mode, c'est impossible qu'il y en ait de nouveau. Oh, donc c'est pour ça que. Merde! C'est pas moi! C'est pas toi? Non, c'est pas moi! C'est Layton qui était sorti il y a quelques temps, genre. Non, c'était qui alors? Bah, quelqu'un d'autre, mais vraiment pas moi. Je promets que c'est pas moi. Non, ça s'était complètement arrêté. Ok. J'ai jamais vu. De toute façon, je vais faire tous les Layton avant qu'ils sortent. Ah, pareil, j'ai envie de les découvrir. Ah, moi, j'en ai fait quelques-uns déjà, mais je vais tout faire. Moi, ça va être un marathon. Ouais, pareil. C'est exceptionnel. Oh non, Leclerc. Oh le bâtard, il est en. Oh là là, maintenant j'avais un truc pour me protéger et tout, je suis bête. Vas-y. Oh Shori, vraiment. Shori, je suis japonais. Donc après, on joue à Codenames? En vrai, ouais. En vrai, de fou. Moi, je suis dans un mood Mario Kart pour l'instant. T'as jamais joué, mais je pense que tu vas aimer. Alors en fait, je vais t'expliquer, j'ai un traumatisme avec Codenames. Ah d'accord. Oh non, je sais ce qu'il va dire. En fait, j'ai. Zerator encore? Ouais. Zera, je crois. Encore? En fait. J'ai joué. Une relation un peu toxique, hein, si je peux me dire. J'ai joué 5 minutes. En fait, j'ai joué 5 minutes à Codenames et Zerator arrêtait pas de dire non, mais le jeu est pas pour toi, il arrive pas à se concentrer, c'est de la merde. Et du coup, on a arrêté de jouer au bout de 5 minutes. Oh non. Ouais. Cette expérience et cette merde. Bon, cette voilà. Cette anecdote est vraie. Voilà, je le veux, merde. Il est toxique, hein, Zerator. Un peu, hein. Mais du coup, j'ai plus envie de jouer. Oh non, bah, il a été. T'as vraiment joué, quoi, du coup, t'as jamais joué. T'as pas joué vraiment? Non, en fait, j'ai jamais joué. Il est horrible. Il est horrible, en fait, Zera. Ah, mais tant que Zera, il joue avec JD surtout. Là, ça va être. Du coup, il faut juste me réexpliquer les règles et je suis chaud en vrai de jouer. Ouais, c'est très simple. Très simple comme règle. Ouais, voilà. C'est super facile. Ouais. Mais du coup, on est que 7 et c'est par nombre pair. Du coup, bonne soirée, Rayou. Du coup. Oui, c'est ça, en fait. En vrai, je laisse ma place pour Tonight. Mais la prochaine fois. Mais en vrai, je disais, étoile plus moi égale un joueur, je pense, en termes de level. Mais non mais en fait t'es pas nul JD, c'est juste que tu penses bizarre. Donc ouais. Je tiens à dire, c'est la dernière fois Ultia, alors genre vendredi je jouais avec Ultia et Ponce, j'étais dans la team d'Ultia. Et bah on s'est fait rouler dessus tout pendant toute l'après-midi. Mais non, on a tout gagné de notre côté. Mais après ils ont été particulièrement forts en vrai, hein. Ouais, après en vrai d'être sur nos streams en même temps ça va être pas mal je pense, mais Ouais je pense aussi. Pardon. C'est sur quel jeu, enfin c'est sur quelle plateforme? Navigateur. Sur leur site, sur le site officiel Codenames. Ah, il y a un site. Et c'est trop bien fait. Gratuit sur leur site. Mais d'ailleurs, je me posais la question. Vous jouez toujours avec le chat pour Codenames? Non, pas quand je dois deviner, mais par contre quand je dois faire. Ouais, c'est ça. Ouais, bah pareil. Le chat, il est de ouf dans ce genre de truc parce que genre ils sont de fou furieux quoi. Quand t'es espion, bien sûr, oui. Par contre, tu dois deviner l'enfer. Alors. Mais JD, lui, il fait sans rien. Oui. Ah bah non, mais faut pas utiliser le chat, sinon c'est triché. Mais non, quand t'es espion. Chacun ses valeurs, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Je regarde pas mon chat, hein. Oh, c'est sympa, ça. Regarde Rivenzy, par exemple. Moi, c'est le seul moment de l'année où je le regarde, donc. Vraiment, tu connais, s'il vous plaît. Ouais, mais si t'as 200 viewers qui te regardent versus 7000, pardon, t'as forcément dans les 7000 plus de chances que quelqu'un trouve une bonne idée. Ah ouais, donc autant en profiter, on n'est pas d'accord. Voilà, comme par hasard, c'est Antoine qui est d'accord. Encore les gros streamers qui font chier, putain, super.
ça dégoûte. Ouais, après, oui, c'est merde. Vrai. Je suis après, vraiment une merde. Vous saviez ou pas ça que j'étais vraiment. T'es pas une merde, Florence, c'est la meilleure. Non, bah là, je t'assure. Non, vraiment pas. Par contre, c'est pas la peine de mentir orientément. Je fais des fois là. Mais ta gueule, Rivenzy, moi je suis positif. Mais toi t'es positif. Oh là, alors là, j'en ai vu des CSC, mais alors. Ta gueule, Rivenzy, je suis positif. Bah écoutez, dans mon tournoi de la semaine dernière, pour ne pas perdre mon mental, je répétais dans ma tête, tu es le meilleur. Et ça marche. J'ai gagné. Putain, trop bien. Tu le disais pas à haute voix ? T'imagines ton quoi ? Tu le meilleur. Il disait à son adversaire, il disait moi je suis à chier juste après. Tu es le meilleur. Moi je l'ai beaucoup fait stream, mais depuis que je l'ai vu en tournoi IRL, bizarre quand même. Mais bon, j'ai gagné 3 games 5 alors que normalement les games 5 ça m'arrive jamais. Non, j'ai passé des lances, je suis une merde. Et putain, j'y arrive jamais à ce raccourci. Je suis là, let's go là. Ah, c'est déjà moins long de faire comme ça par contre. Et tu perds des 0-2 ? Ouais, j'ai reverse 3-0 deux fois et. Oh là là. Excuse-nous, bon. Adaptation. C'est un rite qu'on a perdu. Regardez mon tour, messieurs dames. Regardez bien. Désolé le oh le backspam il est grandiose. Je l'ai vu. J'ai un bilan 3 à cause de Rayou. Salut. Comment ça à cause de Rayou? C'était Ulchek qui était. Ah ouais c'est sûr qu'elle. Je sais pas, je vois un bill, je regarde la map, je vois Rayou devant, désolé. Oh il est magnifique. Oh il est magnifique ce cut. J'aurais pas dû l'utiliser là, je suis merde. Ah mais en fait tu peux pas sans champion. Si tu peux. Bah si je l'ai fait sans champion. Ouais. Oh la dingue. Qu'est-ce que je fais? Oh il est beau. Oh ça fait gagner tellement de temps par contre. Je suis juste tenté un cut. Oui par contre le cut il est fou. Eh bon le dernier tour était pas si dingue. C'est de mon mieux. C'est de mon mieux également. Non mais j'étais saboté sur la course. Oh la dingue, le cut que j'ai pris il était dramatique. Dramatique le dernier cut. Aïe. Est-ce qu'on peut faire merci circuit Mario GG. De Nintendo DS? Ah oui, c'est vrai, mais moi je vais faire ça depuis tout à l'heure. Ah, vous voulez mettre circuit Mario de Nintendo DS, d'accord. Tout à fait. Mais vous voulez nous imposer vos choix, c'est ça? Ah ouais, sondage en cours si jamais votre bague de map préférée. Ok, super. On l'a pas fait celui-là? Non. Ah bon? Non, toujours pas non. Non, je t'ai chié. J'ai vu ton avis aussi, Ponce, sur Asterix Obélix, c'est l'Empire du Milieu. Merci des presses d'oignons pour le 20. En vrai, je trouvais que t'étais un peu dur avec ce film. Hein. Oh, il est abominable. Mais c'est fou à quel point vous êtes tous allés le voir, quoi. Ouais. Alors, et toi, t'en penses. Mais oui, tu sais qu'on en a même pas parlé. Parce qu'on pas. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? T'en as pensé quoi, Riv? Alors, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Non. Parce que j'avais Juliette à côté de moi qui ne faisait que rire à tout et n'importe quoi. Du coup, ça s'en devenait drôle parce que c'était tellement nul ce que je voyais à l'écran. Mais elle rigolait de bon cœur ou bah, un peu, elle ouais. rigolait de cringe. J'avais un peu honte. C'était la seule qui rigolait dans dans mais le. Mais non, sérieux. En plus, elle rigole fort, tu sais. Elle a trouvé que c'était drôle. Bah, elle a passé un bon moment. Ah ouais, elle a vraiment des coups de merde, quoi. Non, mais tant mieux, comme quoi, voilà, mais bon. Non, mais moi je l'ai détesté, mais après. Mais tu aimes ce que tu veux, bon, t'inquiète. Ah non, mais après. Moi non, j'ai détesté, d'accord. Ok, mec, Riv va adorer, ok. Il a le droit. Non, en vrai, j'ai passé un horrible moment. En vrai, le film est vraiment à chier, quoi. Bah écoutez. En fait, au-delà d'être à chier, il est affligeant sur beaucoup de points. Ouais, il est affligeant, franchement, c'est abominable. Et bah, faites mieux. D'accord. Adapté Astérix, mieux que ça alors. Ah ok, bah voilà, tu seras mon Astérix, Antoine, je te le dis. Oh oui, incroyable. Alors, du coup, Antoine sera Astérix, Ulti en Obélix, étoile en Panoramix. Oh, le son de la pose. Le druide. Non mais tu sais que je suis vraiment un druide, par contre. J'en étais sûr qu'il allait dire ça. Non mais écoutez, je vous jure que si j'étais dans un village gaulois, je serais le mec qui vend la popote. Mais je serais vraiment ce mec-là. Je suis un druide. Panoramix, est-ce que vous auriez une faucille le drapeau de l'Angola? Non, c'est pas ce que je demandais, Panoramix. Ça n'a rien à voir. Ah, ça c'est drôle, ça chie. Ça te fait rire, hein, ça te fait marrer, ça, hein, Rayou, hein. Ça te fait rire, ça, connard. Ouais, c'est ça, connard toi-même, ouais. Parce que j'ai pas de répartie, du coup, c'est juste toi-même. J'en ai vu, il connaît pas si bien que ça les drapeaux. Bon, bref. Oh, ta gueule, toi, ta gueule, oui, on sait que t'es le meilleur, oui, c'est bon. C'est bon, on le sait. Mais t'arrives même pas à me rattraper parce que t'es trop gaise. Je viens de te passer. Ouais, t'es merguez. Le bar ce serait Jidet parce qu'il parle tout le temps et voilà. Oh, quoi? C'est ça qui parle vraiment tout le temps. Il parle tout le temps Jidet, donc c'est. Jidet est un mec. On est s'il vous plaît. Et je pense que Ponce il serait. Pas là. César, c'est César. Oh César, tu serais César avec ton nez là. César. Très grave. Avec ton énorme zen là. Ah si, c'est César.
Quoi? Wow. Et angle. Et angle. Angle. La bonne mine. Comment ça, la chienne? Attends, mais il est con. Elle a mis des X, ça va, je rigole. Non, je vais faire la chienne. Mais c'est pas grave. Mais Antoine. La chienne. Non. Arrêtez, respectez-la, ouais, c'est bon. La chienne. Non, mais ça va parce qu'il défixe, c'est sûrement le personnage préféré de plein de gens, donc ça va. Oui, c'est le personnage préféré des Français. Ah bon? Non, j'en sais rien, j'ai dit ça. Personne n'a dit ça. C'est le personnage préféré, toute œuvre culturelle confondue. Idéfix. Vraiment, ça me. Mais qu'est-ce que je prends comme map là? C'est Idéfix. Antoine, t'es pas tenable. T'es pas tenable. T'es pas tenable. T'es pas sortable, je te le dis. T'es pas tenable. Et Ultia en Obélix, ouais, c'est pas mal hein, comme idée. Ouais, ça va être stylé, je pense, à côté d'Antoine en Astérix. Je pense que c'est un bon duo, ouais. C'est un bon casting, en vrai. Il y aura beaucoup de FX, hein, on va pas se mentir. J'avoue que Ultia va me faire une fête en permanence. Ah ouais, grave. Va me caresser en permanence. Ou Depardieu, voilà. Oh, bizarre. C'est caressé par Depardieu pendant tout le film. Pourquoi de me faire caresser par Depardieu, là? Par Gilles Lelouch. Pendant 3 mois de tournage. Vraiment très louche. Vraiment très louche, la Gilles là. Oh l'angoisse. Je crois que j'ai démarré. Mais ouais. Non, et pour soi, César, ça me va bien, ouais. Qui parle ouais, de ça lui personne, va bien, à moitié à poil sous une toche. Un peu mégalo là, un peu. Moitié à poil sous une toche, non mais. Respectez-moi un minimum, je suis dans la conf. Yo. Attention, je suis juste avant. Attends, mais. Grave, j'avoue. Pense ta cut neuch roux. Bah évidemment, moi. Mais t'es le meilleur joueur du monde. Non, j'ai eu un schrum. Non, je suis César. Ah, ok. Non, je suis juste J'ai des alliances, JD. Ok, alliance, c'est ça. Excusez-moi, Jules, vous avez votre coche qui dépasse de votre jupe. Avance, ah, mec. C'est A pour avancer. J'arrive pas avec ce tempo. Putain, j'ai Laurent, pas c'est Falbala. Oh, vous êtes trop gentil. J'ai non, pas vrai, mangé. Presque blonde en plus, quoi, cette année. J'ai pas mangé, j'ai trop faim. Putain. Mais t'as bien une tartelette à la fraise sur ton bureau là, arrête. Bah ouais, j'ai rien sur mon bureau en plus, ça me dégoûte. T'as rien du tout là pour toi? Bah non, rien mec. Ah ouf. Oh là là. Mais en fait, je suis allé à la boulangerie parce que je me suis levé à 7h30 ce matin. Oh bien joué! Et ma boulangerie fétiche elle a été fermée, et du coup, je suis allé dans une boulangerie de merde. Oh non. On a l'adresse de cette boulangerie s'il te plaît? Pour Gomez. C'est horrible ce qui t'arrive. Ah oui, c'est horrible. Non, hein? Merci pour le dodge. Merci pour le dodge. Oh, wow, l'ego du mec. Un peu avec un peu exceptionnel. Avec un peu de répartie. Oh le son. Ah putain, comme par hasard. Moi j'ai éclair, si jamais tu veux dodge. Ah non. Éclair. La frame. Ouais, pour ah non. Ouais, bon, ça. Attends, il y a peut-être un truc qui arrive. Il a 12. Ah, mais putain, je pensais que c'était la fin. Je suis prêt. T'es prêt, Ponce? Ah, mais c'est moi là, le GDR! C'est tout moi je suis dernier. Oh là là, GDR! Antoine, comment tu t'es relevé de ça? Ouais. Je suis deuxième. Comment tu t'es relevé de ça, Antoine? Bah, je sais pas, j'ai trop bien joué. Mais quoi? Bah, non, mais je t'ai rentré dedans avec des carapaces. Putain, mais. Probablement un problème de coke, quoi. OMG. C'était chaud là. Ultia en mode médaille de bronze, en mode full focus. Je suis sur le podium. On parle plus et tout là. Putain. Mais si je parle depuis tout à l'heure en plus. Mais je rigole. Pour finir sur Astérix Obélix, il m'a fait beaucoup rire parce que je me souvenais que pendant longtemps, Guillaume Canet disait ouais, allez voir le film et tout ça, machin, c'est important. Pour soutenir le cinéma français. Et j'ai appris qu'en fait, à 7 millions d'entrées, il touchait un bonus de 1 million d'euros lui. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, c'est avec Guillaume Canet. Le réalisateur. Ouais, le réalisateur. Ils ont fait les 7 millions d'entrées ou pas? Non, ils y sont loin. Ils sont même pas rentables, là, je crois, sur le film. Attends, il s'appelle comment ce film déjà? Astérix, c'est comment? L'Empire du Milieu. Astérix, non, ils sont pas rentables encore. Ils sont pas rentables sur le film pour l'instant. Après, l'exploitation est pas tout à fait. Ils ont pas fait 7 millions? Non, ils ont fait 3 millions d'entrées. C'est un beat du coup? 6 millions dans les films. Pour le budget, ouais. Plutôt, oui. Oui, en vrai, oui. Et du coup, maintenant, ils ont fait 4 millions 5, pardon, à l'heure actuelle. Ah ouais? Je crois que c'était 6 millions pour être rentable, je crois. Il me semble un truc comme ça. Genre celui d'avant en animation de Astier là. Il fait 4. Oui, mais c'est pas, le même budget du tout. Et c'est plus cher à peu près, c'est un film d'animation. D'animation. Ah ouais, c'est plus cher. Ouais, plus cher, il me semble. Ouais. Bon.
Moi, il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment choqué dans le film. Enfin, choqué. Alors où je me suis dit, mais putain, je pensais pas qu'on pouvait encore faire ça en 2023. Genre vraiment. Asterix aux Jeux Olympiques, c'était une purge aussi. Hein. Ah, c'était une purge de fou, mais oui, ça oui, bien sûr. Il est mieux. Mais hein. Alors, enfin, bien sûr, Asterix aux Jeux Olympiques est à chier, évidemment. Et je sais pas si c'était il y a 15 ans, je suis allé le voir au cinéma, je devais avoir 12 ans, je pense. Donc, si, c'est pas 12 ans. J'ai pas compté. C'était il y a 40 ans, du coup. 2008, ça fait 15 ans. Ah, je te jure, mec, ouais, il est vieux. Moi aussi, dans ma tête, il était récent. Ouais, en fait. Non, ça fait mal. Ouais, pour moi, ça fait partie de tout ce qui est pas sorti après le film de Shabba est récent, de toute façon, pour moi. Oui, c'est ça, c'est les nouveaux, genre. J'ai ça avec les champions de LOL. Ah, mais je connais pas les champions de LOL. Oui, moi, c'est un peu pas Shabba. Moi, genre, j'ai vraiment plein de jeux, ouais. Genre, Jinx, pour moi, elle est nouvelle. Ah, Jinx, c'est nouvelle. Ouais. Ah ouais, ah, vous avez 45 ans. Moi j'espère que les présidents de la 5ème République, vous voyez Giscard, pour moi c'est plus vieux. T'es vraiment d'un ennui. Et donc ouais, je disais, tous les personnages féminins de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, se font draguer à un moment donné. Oui, ça pose un problème. Et genre, en vrai, ils se font pas juste... Draguer en 2023, Ils se font pas juste... Ils se font pas juste draguer, en fait, ils se font draguer de manière très insistante à plusieurs reprises malgré les refus. Et genre même le personnage de la de comment dire oh là là la comment elle s'appelle, tu sais, la meuf toute à la tête de la Chine. C'est quoi sa fonction? La présidente de la Chine. C'est pas la présidente. L'impératrice, merci. Donc, l'impératrice de Chine, qui est du début à la fin du film, genre, tu sais, elle a le cœur froid, la tête haute, tu vois, elle se laisse pas dépasser par ses émotions, etc., etc. Et en fait, elle se fait draguer de manière... Elle se fait draguer de manière très lourde. Oui, voilà, donc elle se fait draguer de manière très, très lourde par Ramsay. Par Ramsay. Et en fait, genre, elle dit rien, tu sais, elle le regarde, elle lève les yeux au ciel en mode c'est quoi ce bouffe qui me drague, etc., etc. Et à la toute fin, on sait pas pourquoi, elle succombe. Il lui dit qu'elle est belle, elle rougit quand elle et. Quand elle s'énerve. C'est ça. Ouais. C'est ah bah voilà, quand t'es en colère, tu es belle comme ça. Oh. Voilà, et alors ça je me rappelais plus. ça je me rappelais plus, j'avoue, je me souvenais plus de ça. Moi ce que je me rappelle, c'est que. Elle sourit pour la première fois justement. Il lui dit qu'elle est belle et du coup elle est en mode. voilà, elle finit un peu dans ses bras. Là. Du coup, oui, elle est un peu innove. Du coup, la moralité c'est forcer, vous aurez toujours vous finirez par avoir quelque chose quoi. Vous finirez par avoir votre objectif. D'accord. Ah oui, moralité. Bah tu trouves pas, Riff, que c'est ça qui s'est passé? J'ai pas trop fait gaffe. En fait, j'avoue que le personnage de Ramsay m'a un peu exaspéré minute 1, donc je crois que je regardais mon téléphone pendant les scènes de Ramsay, je crois. Mais non. Ouais, bah voilà, bah c'est dire le bail, quoi. Bah je crois, hein, mais... Enfin, non, mais du coup, quand je dis que c'est une abomination, le film, t'es pas d'accord? Tu sais que j'ai vraiment préféré Asterix et Obélix aux Jeux Olympiques, hein. Vraiment, je trouve que le film est mieux. Moi aussi, pour moi, il est mieux. T'étais jeune, je m'en rappelle. Merci Laura pour le 28e mois, merci beaucoup. Je l'ai revu quand même depuis, je crois. Ouais, ça va, ça va. Et j'en parlais l'autre fois en live. C'était pour moi le pire film que j'ai vu, mais je l'ai déjà dit il y a pas si longtemps. C'était Bad Buzz d'Eric et Quentin. Apparemment, c'est horrible. On m'a dit que c'est vraiment horrible, ouais, pour le coup. Bad Buzz, Eric et Quentin. C'est quoi ça? Tu vois qui c'est, Eric et Quentin ou pas? Non. Eric et Quentin. Non. Ils étaient dans le petit journal. Ils étaient dans le petit journal. Dans le quotidien, Ils étaient déguisés en femmes et tout. Non, ça c'est Catherine et Lilian. Des humoristes un peu. C'est pas les mêmes? Mais non! Mais non, tu confonds avec. Ah si, je crois qui c'est. Alex Lutz et Bruno Sanchez, rien à voir. Ah merde, je crois que c'était ceux-là, je crois que c'était Eric et Quentin. Je vois très bien qui c'est. Non, tu confonds avec Liliane, machin, là, je sais bah, pas. Bah ouais, quoi. Je crois que c'est Catherine et Liliane, interprétées par Alex Lutz et Bruno Sanchez. Et ben, my bad là-dessus, je pense. Non, que eux, ils faisaient des sketchs vraiment pas ouf, je vais pas mentir que c'était pas ouf. Ah, il y en avait des biens. Il y en avait des. Non, mais j'ai tes goûts, quoi, en même temps, bref. Non, mais gros, arrête. Ouais, vas-y, roule. Ouais, c'est sûr que dans tout ce qu'ils ont produit, il y avait quelques trucs qui pouvaient être pas mal parfois, mais en vrai, globalement, je sais pas. Ça s'est essoufflé, en fait, voilà, c'est ça. Ah, je sais pas s'il y a eu. Bref. Mais bref, et donc ils ont fait un film au cinéma. Et le film est une purge atomique, mais vraiment un truc insane. Ah ouais, à ce point-là. Et en fait, le film a tellement été un bide, que ce soit critique et commercial, il a fait que. Je crois qu'il a fait que
45 000 entrées en tout cas. Waouh. Wow. Ouais, genre les mecs venaient de la télé, donc ils avaient une DVD, minute en été. Wow. Et en fait voilà, à l'heure actuelle en fait il n'est même pas trouvable en Blu-ray slash DVD. Et il est pourquoi? Juste parce que ça a vidé. Ouais ouais, parce que vraiment ils, genre, ouais, ils veulent faire oublier le film, genre vraiment. Ah ouais, il faut pas que les gens le voient quoi. Mais non. Ouais, vraiment. Ouais. Je te jure. De toute façon ici là, je ici. Ah putain Antoine. Mais et du coup je l'ai chopé avec un pote en mode streaming pirate là. Mais non. Et ouais mon petit poteau. Bah c'est le seul moyen de l'avoir. Et on l'a maté. On pensait qu'on allait se marrer et en fait c'était juste mais moi là, Astérix et Obélix, je pensais que j'allais rigoler aussi et en fait c'est vraiment j'étais pareil, j'étais affligée. À un moment donné je me suis tournée vers un pote avec qui on était à ce moment là et je lui ai demandé si vraiment c'était fait exprès que l'actrice elle joue aussi mal quoi. Genre je me suis dit c'est peut-être un comique, tu sais, genre une situation un peu. Sur le chat là. Ah bah je suis désolée mais faut rester conseillère fiscale hein, parce que. Faut rester conseillère. Quel connard, comment tu parles toi? Ah non mais enfin vraiment c'est horrible, je me suis vraiment demandé si c'était fait exprès ou pas quoi. Il faut rester commissaire au compte quoi. Elle est commissaire au compte, ouais, elle est pas du tout comédienne, juste elle sait faire du kung-fu. Et en fait, ouais, c'est il a dit qu'il a. En fait, ouais, bien sûr. Non, c'est pas une vanne. Il y a eu 300 personnes qui ont été auditionnées pour ce rôle-là. Évidemment, dans les 300, l'immense majorité, c'était des comédiens. Et finalement, ils ont choisi elle, qui n'était pas une comédienne. Ouais, qui est une. Ouais, comédienne. Qui est du coup une commissaire. Ouais, priseur, effectivement. Ouais, ouais. Et c'était son premier rôle au cinéma. Voilà. Ah ouais. Et en fait, quand elle est apparue à l'écran, enfin, je sais pas si ça t'a choqué ou pas, Arrive, mais moi, je me suis vraiment demandé si c'était banne, fait exprès qu'elle joue aussi mal. Je me suis dit, il y a un monde où le fait qu'elle joue mal comme ça, c'est un peu. Je sais pas comment. Je sais pas si j'ai un exemple. C'est un peu la faute de Guillaume Canet, tu vois, qui a pas su trop la diriger et tout, tu vois. Et de l'avoir choisi aussi. Il est pas obligé de choisir. En fait, c'est le deuxième. Enfin, après Astérix Obélix, c'est le personnage principal. Comment tu fais pour. Ouais, en vrai, c'est un peu cata. Pour choisir quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cata, ça. C'est particulier. Elle aurait. Enfin, je comprends pas trop, tu vois. Genre, vraiment, à un moment donné, au tout début du film, l'impératrice de Chine se fait. C'est chaud, là. Désolé. Il faut manger. Ça va? Non, j'ai l'hypo qui tourne la tête. Et du coup, j'ai pris du sucre, mais là, ça va. Mais c'est parce que t'as pas mangé? Bah, en fait, j'ai mangé. Non, mais j'ai mangé, mais j'ai pas mangé assez. Bon, j'ai juste mangé assez. Mais t'as mangé quoi? Mange plus. J'ai mangé une baguette avec du saumon dedans, mais c'était pas assez. Ah, fallait mettre du Nutella. Oh, t'as à manger là. Mais je vais pas couper le live pour aller me prendre un Subway là. Je vais pas me faire des pâtes là. Bah commande quelque chose. C'est pas bon de faire des pâtes, mec. T'as pas des petits gâteaux? Mais par contre, Des petits gâteaux. Tout le monde. Mange un gros cul étoile sinon. Oh, calcium. C'est trop mignon. Ah ouais, y a du potassium dans le cul. Super. Et du coup, c'est quoi Bad Buzz? C'est le film dont tu parlais De Ricky Quentin, ouais. Bad Buzz, il s'appelle. Il porte bien son nom. LOL. Et du coup, il a été vraiment complètement boudé dans les salles et par les critiques. Et c'est vraiment probablement le pire film que j'ai vu, je crois. Et apparemment, il y a une scène avec un trisomique qui est, oui, tout à fait, qui est particulièrement. Tout à fait, t'as une scène où il se retrouve avec des trisomiques et la blague, c'est que le mec est trisomique, hein, globalement. Quoi? Super vanne, ouais. Non, mais en fait, ils essayent d'être subversifs en faisant des vannes un peu comme ça, tu vois. Ah bah, on dirait. À chier. Et bah, sauf que c'est juste à chier. Et en fait, t'as une scène où. Une scène incroyable où ils sont sur une aire d'autoroute. Et en fait, le trisomique, il arrive pas à pisser parce qu'il est trisomique. Et du coup, en fait, ils lui tiennent la bite et c'est une scène qui est très très longue. Il fait j'arrive pas à faire pipi. Et c'est vraiment une scène. Oh là là. C'est une scène de fou. Hein. Et ben, j'ai hâte de pirater ce film. Franchement, je vous conseille de le regarder. Il y a vraiment. Mais avant d'en parler, Antoine, ils vont faire plus de piratage que d'entrer au cinéma, je pense. Hein. Bah, c'est ce que je leur souhaite, j'ai envie de te dire. Attends, mais t'es en train de me dire que c'est passé au montage du film et ils se sont dit en bas. Bien sûr. Ouais. Il y a eu toute une chaîne de production et ils ont dit c'est super, on garde. Mais oui, mais ça c'est vraiment une question que je me pose, tu vois, genre même du coup en regardant Astérix, je me suis dit mais comment? Il y a personne qui. Quelqu'un n'a. Enfin, comment tu sais genre au tout. Comme tellement d'argent en jeu. Genre au. Ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'au tout début du film, hein,
L'impératrice de Chine, elles sont séparées avec sa fille, la fille qui joue mal, du coup. Enfin, voilà, que je trouve qui joue mal. Et en fait, elle dit non, ma mère a été enlevée. Vraiment comme ça, quoi. Oh, ouais. Encore ? Et tu sais que Cassel a dit, alors qu'il était interviewé sur le film, il disait je pense que ce film va tutoyer l'œuvre de Chabat. Il a dit ça en interview. Je pense que ce film va tutoyer l'œuvre de Chabat. Vraiment, je le pense sincèrement. Il le voulait, son mignon. Putain, mais ça m'embête tellement qu'il parle comme ça de Chabat. Parce qu'en fait, moi j'ai son numéro de téléphone et je trouve ça abusé. Je le sens familier, mec. Il en pense quoi, le Alain là? Il en pense quoi, Alain là? Mais Alain Chabat est en train de développer là une série animée là, Asterix Oblix. Tout à fait. Pour Netflix. Tout à fait. Donc ça arrive fort. Hein. Vous voulez avoir des infos avec lui, Rayou, ce serait utile. Hein. Non, wesh. Arrêtez, c'était allez, pour allez, rigoler. Allez, c'est Cassel qui a dit ça? C'est toi qui as oui, dit ouais, c'est... Ouais, c'est Cassel qui avait dit ça. Non, ouais, c'est abusé parce que. Ah oui, tu vois, pardon. Le film est tellement. Ah oui, il y a une blague raciste dans Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Oui, bien sûr. Il y en a pas qu'une, hein. Oh, il y en a pas qu'une. Ah oui, non, oui. Il y a un film entier. Mais j'ai l'impression que c'est un film où tous les Chinois font du kung-fu, quoi, j'ai l'impression, donc... Non, oui, bizarre l'ambiance. Et Bad Buzz, vous pouvez le voir, le pitch du film, si vous savez pas ce que c'est. En gros, Eric et Quentin, je crois qu'ils s'appellent comme ça dans le film, d'ailleurs. Okay. Ils sont animateurs d'une chaîne pour enfants, et genre, c'est des animateurs stars. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, je te jure, c'est vrai. C'est pas une blague, genre. Et en gros, ils sont en soirée et il y a une photo d'eux qui est prise, qui est légèrement compromettante. Alors, je suis désolé, la photo n'est pas du tout compromettante dans le film. Merde, j'ai repris la même. C'est quoi la photo compromettante, toi? La photo, en fait, ils sont en train de danser et à un moment, ils glissent sur un truc et pour se rattraper, ils baissent leur froc et on dirait qu'ils s'enculent et en même temps qu'ils enculent un chien. Mais sauf qu'on dirait pas du tout ça et en même temps, ils lèvent le bras, on dirait qu'ils font un salut nazi. Je te jure, c'est vraiment ça. Je te promets. Non. Et du coup, il y a ambiguïté sur le. Et du coup, la photo elle tourne et ils sont en mode What the fuck, c'est des zoophiles nazis. Je te promets que c'est le scénario du film. Attends quoi, redis ta dernière phrase, pardon. C'est le scénario. Ils disent qu'en gros, c'est des zoophiles nazis. Et du coup, ça fait Bad Buzz. Et leur manager, qui est joué par Béranger Krief, leur dit pour effacer un Bad Buzz, il y a pas de secret, faut faire un Good Buzz. Et en fait, ça marche pas comme ça déjà, évidemment. Mais bref, c'est le scénario du film, et tout le film, en fait, ils vont essayer de faire un good buzz, soit en aidant justement des trisomiques, soit en aidant des migrants, soit en aidant des... Enfin voilà, je veux dire, c'est d'accord. C'est okay. Tout plein de trucs comme c'est ça. Vraiment, c'est un super... Le pitch de début, en tout cas, le me donne incroyable. Envie d'aller voir. L'histoire est dingue, hein. Ah ouais, il a 0,9 sur 10 sur Allociné. C'est possible d'être en dessous de 1 sur Allociné. Je savais même pas. Non mais on n'est pas obligé de mettre une étoile. Ah non, on peut mettre 0,5 peut-être. Mais on peut pas mettre 0. Hein. Non, sur Allociné, on peut pas mettre 0. Hein. On peut mettre 0. Bah je sais pas, je viens de Google là. J'ai pas lu un message dans le chat, hein, je suis allé voir. Alors juste comme ça, je sais pas si tu sais Antoine, mais il est sur MyTF1 apparemment le film. Ouais, ah, ouais voilà. Parce que et toi tu as donc fait quelque chose de parfaitement illégal alors que tu avais les moyens de payer Antoine. C'est faux, je l'ai regardé sur MyTF1. Ah oui d'accord. Mais il a dit streaming. Il a piraté sur MyTF1. Non, je l'ai piraté sur MyTF1. Mais attends, ça veut dire que TF1 diffuse ça? Bah écoute, j'en parlais à Jean-Luc, j'ai son numéro, en fait. Donc je vais l'appeler, je vais voir avec lui. C'est littéralement. C'est le seul endroit où tu peux voir ce film. What the fuck. Légalement, je veux dire. En gros, pour expliquer, c'est vraiment TF1 qui a produit le film et je pense que la condition à ce que Eric et Quentin suivent Yann Barthès du Petit Journal à Quotidien, donc de Canal à TF1, c'était que TF1 produise le film. Ils auraient dû, TF1 aurait juste dû dire non. C'était des assets aussi importants que ça pour qu'ils puissent avoir une telle influence. Bah non, pas du tout. C'est fou quand même. Non mais ils avaient leur mini hype à un moment donné, quoi. Ah mais alors bien sûr. Mais moi je vois pas qui c'est par contre. Mais je veux dire c'était pas du niveau de à l'époque KDO ou les nuls ou. Non mais même ah oui non. Catherine non, même Catherine Lévienne c'était au-dessus. En comparé à ça. Mais non bien sûr. Bah Eric Quentin ne met pas 100-0 nul. Ça lui réussit mieux je crois. Putain mais je roule pas droit. Pareil. On est ensemble. Tu sous Jack Fuego. Effectivement, l'influence de Eric et Quentin par rapport au nul sous le mot français est un petit peu... Nuancé, effectivement. Ouais, nuancé, si je peux me permettre. Mais je vois vraiment pas c'est qui Eric et Quentin. Bah, tape sur internet, hein, comme je viens de le faire, et j'ai vu tout de suite qui c'était, tu vas le voir en direct. Ouais. Hein. Ouais. Moi, je vois pas qui c'est. J'ai tapé sur internet. Mais je connais pas leur nom. Tu connais leur tête 100%. Mais pourquoi moi non? Si. Eh, mais t'as tapé sur internet? Oui. Tu connais pas? Non. Ah, Ça me casse les couilles, voilà.
Florence, c'est pas grave encore une fois. Mais non, mais vous parlez trop mal d'Eric et Quentin depuis tout à l'heure. Je suis full trigger. Je suis full trigger là. C'est cool, franchement, je suis abattu. Mais si vous voulez voir un bon film, aller voir Fableman, c'était très bien, je me suis régalé, voilà. De... Ah oui, Fableman, il y a quelqu'un dans mon chat. Premier sur cette map. Il y a ah oui, quelqu'un dans mon chat qui m'a dit que tout le monde avait pleuré dans la salle. Bravo Antoine. Ah, oh, c'est Spielberg, oui. Ah, la presse a donné 1,6 à Bad Buzz et les spectateurs 0,9. Ah, il coûte dur. Sur Allociné et Astérix Empire du Milieu. Astérix Empire du Milieu, c'est un bien meilleur film que Bad Buzz. 2,4 par la presse et 1,9 par les spectateurs. Alors, donc vraiment, après, je m'inquiète un peu pour Juliette. Est-ce hein, que Rip. Personne ici a des OP avec des trucs, avec des trucs proches d'Allociné, etc. Parce qu'en fait, vous non, mais en fait, parce que juste. Je n'ai pas du tout d'OP après avec ce. Non, mais. Non, mais genre, juste, je sais que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, il a giga été push par Allociné. Du coup, j'ai l'impression que, genre, Allociné, ils ont essayé un peu de mettre au compte-goutte les critiques mauvaises, etc. C'est un excellent site tout de même sur lequel tu peux voir de très belles critiques de cinéma, toutes les infos que tu veux sur les films que tu aimes, avec très peu de publicité. C'est vraiment super. Il y a de très belles chroniques là-dedans. Et clairement, je pense qu'ils ont eu des petits contrats avec. En tout cas, ils avaient beaucoup de promos du film, mais après, comme c'est Astérix, c'est peut-être juste. Des gros doutes sur ce que tu dis, JD, c'est pas le genre d'Allociné. C'est peut-être juste que indépendance. C'est vrai, vraiment pas. Ça restait un endroit. Merci, vous êtes gentil pour le niveau. Merci Kaelis tout à l'heure pour le 19e mois. Oui, bien sûr. Des films qui sortent, quoi, tu vois. Non, bien sûr. Mais genre des articles du public postage, tu vois, je voulais dire. En parlant des pires notes d'Eric de Bad Buzz, et ben je crois que Fableman a pendant quelques temps été le film le mieux noté sur Allociné. Pendant. Ah ouais. Et ça raconte quoi alors? Fableman, c'est l'histoire de l'enfance de Steven Spielberg. Donc de son rapport avec sa mère. Mais c'est un film qui est super beau, qui parle. Il est superbe. Il parle de famille, d'ambition. Et du coup, cinéma, t'es allé le voir sans moi, quoi. Comme tous les films que tu vas voir. Mais jamais il pense à moi. Moi aussi, j'ai envie de voir Fableman, en fait. Mais oui, mais tu vas voir Astérix, plutôt. Bah ouais, mais je m'en branle. Et quoi, je savais qu'en parlant de ce sujet, t'allais revenir comme mais ça oui, au galop, mais bon, bref, mais bien sûr, pourquoi j'y vais pas avec toi en fait? Bah, peut-être que c'était. Peut-être que je savais que tu voulais y aller, mais que je t'ai pas envoyé un message en faisant exprès. Oh, hyper violent. Oh, ça change toutes les règles du jeu. Hein. Ouais, attention. Comme un temps là. Hein? Tu dis quoi, Obélix là? Hein? Tu fais la gueule? Il est bon. Tu m'as pas proposé Rivendell alors que j'adore le cinéma, putain. Mais en vrai, c'est un mais film. Mais ça me tue, et toi, il va jamais au cinéma, mais ce film que tu vas voir, c'est putain d'Astérix, quoi. Ça me flingue, quoi. Attends, mais c'est. Ça te fait tant mal au cœur, tu veux qu'on aille au cinéma, bébou? Il a dit bébou. Il a dit bébou. Attends, là, il fait genre, il veut pas alors qu'il en rêve. Il en rêve, je pense. Ouais. Petit popcorn sucré. Eh bah ouais mec, en rapport avec mon pancréas qui marche pas depuis 11 ans, let's go. Let's go bro. Let's go. No pancreas challenge. Let's go. Attends, c'est que depuis le challenge qui fait fureur sur TikTok. C'est que depuis 11 ans. No pancreas. Ouais. C'est pas no pancreas challenge, quelle lourdeur. Oh, c'est un challenge de fou. Hein. En ce moment, les challenges sur TikTok, c'est soit tu bloques ton campus, soit c'est le no pancreas. Bloque ton pancréas. Si tu bloques ton pancréas, c'est ça exactement. Bon, okay. Ah oh, chier, JD. Ok, je te venge. Globalement, vous cassez tous les couilles, hein. Il n'y en a pas un droit. C'est un stream no-cam, non mid, no pancréas, exactement. Oh là là, la vengeance, le film avec Morsa et le train de la galère. Oh, train de la galère. La vengeance, c'est un plat que je mange tout de suite. Est-ce que tu l'as vu et est-ce qu'il est mieux que Bad Buzz d'Eric Quentin? Je l'ai vu et c'est un classique. C'est bien meilleur que ça. C'est un classique de fou. Mais c'est un classique. Au final, j'ai pas. Ouais, j'ai mis en story que j'avais Claëlys, enfin que je commençais à regarder Les Liaisons Dangereuses. Et en fait, au final, j'ai fait autre chose. J'ai fait la sieste et après je suis allée voir une copine pour son anniversaire et tout, donc du coup je l'ai pas vu, mais j'en parlerai quand je l'aurai regardé. J'ai regardé genre les 10 premières minutes, même pas, et je devais faire la sieste parce que je me suis levée méga tôt ce matin et qu'après l'émission de TPK je me suis couchée hyper tard, voilà. Mourir, très belle renulte, c'est très belle renulte. Et on a mis les films à ne pas voir avant de mourir. On a mis Astérix Obélix l'Empire du Milieu, on a mis Haters de Kev Adams aussi. Ouah, qu'est-ce que c'était de la merde ça aussi. Quelqu'un s'est cassé là. Je sais pas. C'est non, mais c'est moi qui ai une erreur de communication, ouais.
Aïe. Je parlais de. Attends, mais j'ai pas vu le score, mais c'était un bot en deuxième, je crois. Terrible. Et moi, non, j'ai fini dernier. Non, c'était moi. C'était moi. C'était bien un bot, effectivement. What the fuck. J'étais super. Dans les clés de bagnole, c'est pas si dégueu en vrai. Oh, j'adore ce film. C'est hyper agréable de regarder du jeu, merci. C'est parti, le devoir m'appelle. Je vous souhaite à tous et toutes une agréable soirée. Merci. Vous me sautez là sur mon niveau. Merci beaucoup. Enfin, je veux dire, Aladdin, c'était pas une gigantesque bouse, quoi. Mais en plus, moi, je trouve ça un peu marrant pour de vrai, en plus. Qui est marrant, pardon. Ça se voit qu'il a pas l'habitude de faire du cinéma et tout, mais je trouve que les vannes sont drôles, en vrai, je trouve. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est les blagues un peu méta, tout ça, je trouve ça toujours drôle. Genre, les gens qui savent qu'ils sont dans un film, ce genre de truc. Ou les personnages qui savent qu'ils sont dans un livre, etc. J'aime beaucoup ce... Ouais, bah, tu vois, moi, je pensais... Il y en a des toutes les vidéos de JDG. Voilà. Il aime beaucoup cette vanne, le méta un peu... C'est exactement ce que je pensais du personnage de la princesse dans Astérix et Obélix. Je pensais que c'était ça, tu vois. Que c'était ce genre de volonté. T'as pas aimé son personnage. Non, mais... Parce que vous mettez des mots sur ce que j'arrivais pas à interpréter, mais c'est exactement ça. Ah, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu son acting, ça m'a surpris en vrai. Putain, mais oui, vous avez déjà entendu parler de l'histoire du porno de Michel Houellebecq? Bien sûr. Oh là là, quel ancien. Je l'ai vu, hein. Tu l'as vu sur MyTF1, j'espère. Je peux te dire que j'ai qu'un seul sujet de seg tout le mois dernier, c'était le porno de Michel Houellebecq. Hein, non, mais en vrai, il est pas sorti, in fine. C'est quoi cette histoire de porno de Michel Houellebecq, en fait? Et pourquoi vous avez autant de connaissances sur les personnalités françaises? Et là, maintenant, du porno de Michel Houellebecq, quoi. Ouais, on a laissé vraiment la boucle. On a déjà parlé de ça? Ouais, on a parlé de ça. Mais quand? Le porno de Michel. J'ai pu un soir. Non, mais. Mais moi j'ai trop envie de le voir, mais je pense que c'est la chose la plus répugnante. Bah que non, t'as pas envie de voir ça, frère. Contexte. Pourquoi il y a une communication avec Michel Houellebecq, c'est vrai. Quelqu'un peut raconter cette histoire ou pas pour... Bah c'est juste Michel Houellebecq qui a fait un porno, c'est juste ça. Non, mais genre c'est officiel ou c'est une sexe expliquée? Oui, c'est officiel. C'est officiel. Mais il veut pas montrer. Non, mais il y a une histoire quand même avant. Il a pas juste tourné un porno, je crois. Il y a un vrai bail. Ouais, il y a un lore. Merci Poppy pour ça, mais vraiment, en fait, en gros, il voulait avoir des relations sexuelles avec je ne sais plus qui. Et en fait, c'était pas trop possible pour X raisons, etc. Et à un moment, il y a eu un... Je sais pas. Il y a eu un bail en mode... On peut baiser, mais dans ce cas, ce sera dans le cadre d'un film et ce film sera un film porno, quoi. Ça me dégoûte. Et je sais plus exactement l'histoire, mais il y a un bail comme ça, tu vois. Et Michel Houellebecq a dit d'accord. La nana qui a couché avec lui a dit que c'était un super baiser, ça m'a terminé. Le directeur du film a dit ça aussi. Il a dit que c'était une bête de sexe. Ça me dégoûte. Oh la lourdeur. En vrai, merci pour l'info parce que c'était bien la question que je me posais. Est-ce que Michel Houellebecq est un GBZ, un gros baiser comme on l'appelle? Bah, du coup, ça m'a mis l'eau à la bouche, hein, tout simplement. Hein. J'ai une erreur de con. Hein, il défixe là. Ça t'a mis... Ah merde. Il défixe, il a la langue qui pend là. Hein, ça, c'est pas Terratus. On King Shame pas pour ça fera comme ça. Non, moi j'avais pas rejoint la route. Je vois bien que King Shame là pourtant. Ah, moi je King Shame Houellebecq. Ah non, on est que 5 là. On est que 5 dans la route. Moi ça bug, j'arrive pas à rejoindre. Ça me. Je sais pas si ouvert d'esprit que ça. Depuis le début là. Putain, ça dégoûte en. Je sais pas si on a la room revenge. Je fais un blinky cosplay. Mais le jeu est full buggé ce soir, c'est incroyable. Bah oui. Et pourtant j'essaie de revenir. Bah je viens d'éteindre le jeu, je reviens, on va voir si c'est mieux. Ouais, bizarre. Hein. Mais ouais, franchement, le Michel Houellebecq, j'ai trop envie de mater ça. Ouais. Mmh, j'ai photo de ma bite. Oh, ça suffit. Oh non. C'est tellement troublant, c'est horrible. Allez, je vais essayer de vous rejoindre en. Mais il manque qui à Paris Vendy? Et toi, comment je crois? Il manque Rayou, ouais. Ah, il manque Rayou aussi. Ça m'a remis erreur de co. Ah. Aïe. Enfin, la room, peut-être. Oh, ouais, ça va alors? Quoi? Ouais, toi? Non, mais j'arrive. Je prends trop cher là. Ah, ouais, je suis chez Orange, mec. Ok, parce que Orange a eu des petits problèmes là. Ça fait 24 ans que ça a des petits problèmes. Donc, aïe. On met le trailer du film porno sur YouTube. J'ai joué à vos coups d'œil. J'ai joué à Smash tout à l'heure et il n'y avait pas de problème. Ah, je jouais à Pass tout à l'heure. Ah non, mais ça a full bug. C'est le début de savoir ça sur Webex. Non, 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 non
Ah non. Attends, mais... Non. Tu t'es pris une banane, pense. Attends, mais c'est Garou, frère. C'est Garou, non. Non, je me suis pris une verte. Attends, mais... C'est Garou. L'intermittent. Garou, no, God, please. Je reviens, j'arrive. Non, c'est bon, j'ai fini deuxième. J'ai fini deuxième, ah, ça va. On est que nous deux dans la room. Ça va. Merde, je voulais pas faire ça. Oups. Mais on est plus que deux. On est deux dans la room, là. Non, c'est on est trois, c'est vraiment le buzz. Le buzz. Vous venez ou on quitte? Comme vous voulez. Bah, là, on est tout le monde sauf Rivendi. Moi, je suis là. Hein. Ah, je vais essayer de rejoindre. Je vais. I try. Oh, bah attends, mais tout est. Dites-moi pas qu'on recommence parce que j'étais top 2 là. T'es californien, mec, non? Bah, oui, je suis américain, mec. C'est l'Amérique. Moi, c'est l'Amérique, mec. Oh, les amis, je vais faire un, vlog. Mec. Je vais faire un vlog à Los Angeles, quoi, putain. Oh, mec, let's go, mec. Tu vas aux États-Unis. Tu vas vraiment faire un vlog à Los Angeles? Le ouais. Pays de la liberté, mec. Ouais. Je vais essayer de faire un vlog. Je vais voir. Tu vas vlogger? Tu vas vlogger, mec? Mais tu vas voir avec si quel matos? Bah j'ai une petite cam, quoi. Ah, t'as une petite cam de vlog? Une petite cam portable, là, de vlogger, mec. Le nouveau Casinestat avec nous ce soir. Une petite cam, quoi.